On va lancer le live du coup. Bonjour à tous. Un petit live sur Sif. On va se retrouver tout de suite. Et on est avec Timmy. Coucou. Et ben voilà. En fait, il y en a qui ont des super skins pour les bateaux. Moi, j'ai souvent des joueurs quand je lance qui ont des trop beaux skins. Ah ouais? Ouais. Alors, je sais pas lui, mais il est où notre beau bateau? Bateau? Pas mince alors. Déjà, je trouve pas le bateau. Ah si, il est là-bas. Wouhou! Ah oui, je veux mettre le pavillon marchand. Je l'ai acheté le pavillon marchand la dernière fois avec l'Actrum. Let's go! Good day. Goodbye. Après, tu me diras, on peut peut-être faire le chercheur d'or là. Souvent, il a des super quêtes quand même. C'est où? Il est où lui déjà? Ah, la tente, elle est là. Voilà, et il faut acheter le pavillon par contre. Ah, je peux pas encore. Ah si, j'ai le pavillon. Attends, du coup, ça. Et je vais te mettre en host. Si, ça, c'est toi? Tu viens là? Il faudrait valider ça. Pour qu'on ait un pavillon. Ouais, on a le pavillon des collectionneurs d'or. Et ça, on a un beau drapeau derrière nous. Et normalement, ça rapporte plus de points quand on fait des missions. Ça va régler pour te host en même temps. Si jamais les Pourquoi gens, tu vois. Pour te host. C'est-à-dire quoi? Bah genre j'héberge sa chaîne, tu vois. Ah oui. Ah c'est gentil. Je sais jamais par où c'est. Oui, je sais plus non plus. Bah c'est j'ai moi direct dans mon... Dans mon deck de stream, j'ai hébergé une chaîne. Mais... Voilà, j'ai mis une mission là-haut, je vais en prendre une autre. Want to find gold? Return with riches. Bon bah on peut y aller. T'es prêt ou pas toi? Ouais ouais, je suis sur le bateau. Ah, avec Alexandre aussi. Bon, parfait. Let's go! Oh mince, oui, bon, je suis monté. Du coup, j'ai mis une quête, vous l'avez validée ou pas? Non, vous l'avez pas validée encore. L'Actrum, il dit que Skull, comment ça Skull? Ah, il veut... ah non, il veut faire la truc là-bas, lui. Ouais. Écoutez-moi, sur Lone Cove. Lone Cove. Lone Cove, là j'ai trouvé... Arc... Lone Cove, je trouve pas Lone Cove, hein. Ah si, c'est juste à côté en fait. Ok. Après il y a quoi en deuxième? Il y a Smurl Bay. Smurl Bay, c'est où? C'est là. Ok, et après la troisième c'est Sailor Bounty. Ah non, c'est ici la table. Là tu peux aller direction nord normalement. Ouais ok, on a trouvé les trois. Nord, plein nord. On va aller au premier. Quoi qu'on peut commencer par un côté en fait. C'est peut-être plus simple. Ouais, on va plutôt faire est nord-est. Regarde en face là-bas, il y a une épave, face à droite.
pas des tonneaux. Non. Par contre, il y a un bateau là-bas. Il y a un petit bateau. Ah ouais. Est, nord-est, c'est bon? Est, nord-est? Non. Tu vas vers le sud? Je vais vers le sud, là. Je vais voir quand même si c'est les femmes. J'ai un live aussi à côté. Ok. Alors attends, j'ai juste changé le son légèrement parce que du coup j'entends plus Discord. Hop là. Ça devrait être mieux. Voilà. Ça devrait être mieux équilibré quand tu parles là. Par contre, il y a une est nord-est, hein. Oui, je sais, mais regarde, en face, là, il y a les oiseaux. Ah. Il y a le bâton en face, il est sur le... Tu vois des tourneaux. Ok, bah, légèrement à droite, alors. À Tribeur. Ils sont où, les oiseaux? Je pense que tu peux jeter l'encre. Déjà? Mais non, il est là-bas. Ils sont tous là-bas, les oiseaux. Ah ouais, effectivement. Je voyais pas. Ils sont encore loin, t'inquiète pas. Il y en a encore le... Un peu plus à droite. Un peu plus à droite encore. 3 fois sur 4, on a le... la grande. À droite, à droite, à droite, à droite. À droite, à droite, à droite. Ok, ça a l'air juste là, mais je vois que dalle. Hein. C'est pas le premier. Je t'élance. Mais ça se fait là, mais je vois rien. Ah si, il y a une épave au fond. Ok, j'ai trouvé. Mais elle est retournée et tout, ça va être chaud pour y aller. On va remonter à la surface, prendre un peu d'air. Après, dans les bateaux, généralement, t'as une petite bulle d'air. Tu peux choper. Ouais, je sais. Mais bon, je vais quand même reprendre de l'air là d'un coup. Avoir tranquille le temps et on est reparti. Allez. Let's go. Ah, c'était un gros bateau en tout cas. Il avait 3 mâts. C'est un fameux 3 mâts comme un bateau. C'est haut. Allez. Alors. Et là, pour le coup, je vois pas de bulle d'air. Mais... Ah, ça... Je suis en direction pour partir directement après. Ok. Ah, y a l'autre bateau qui arrive. Je vois pas de bulle d'air et je suis en train de m'étouffer. Non, il part. Y a aucune bulle d'air. I try again. En train de mourir. Petit requin. Mais c'est pas possible, pourquoi il n'y a pas de bulle d'air dans ce bateau? Ça arrive, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très très fort en bas. Après, si tu prends une banane, tu peux récupérer. Hein. Ouais. On va essayer de remonter à la surface. C'est quoi ça? J'aurais putain de truc dans le... Ouh. Oh oh, requin. L'orbe. Dans le bizarre. T'as trouvé quoi? Une orbe bizarre. Et un crâne, trop bien. Tu vas aller dans le truc du capitaine au cas où? Merde, il m'a tué. Quoi? Le requin? Ouais, mais il y a le crâne qui flotte du coup. Ok. Ah, il est parti le chercher, Alexandre. Je remonte à la surface, moi j'ai bientôt plus d'air. Mais je vois rien, j'ai rien vu dans la truc du capitaine. Hein.
que j'ai rien vu. Mais y'a rien du tout dans ce bateau. Surface, j'ai rien trouvé. Je vais faire un tour et puis on y va. J'ai trouvé de la bouffe, mais du coup, je la consomme parce que je suis en train de trouver. Bon, allez, je retourne sur le bateau. Oh oh, un requin qui m'attaque. Ah, il est toujours là le requin. Les requins. Par contre, attends, voir. Notre autre pote il a disparu là. Notre quoi? Ah, le rubis de sirène, d'accord. Il y avait un rubis de sirène aussi. Ah non, il est là Alexandre. Ah bah il est mort. Tué par le requin. Ah, il vient sur toi. Hein. Ah non, il t'a laissé. Il y a un deuxième requin qui arrive. Bon bah go. Et la petite. Tu m'avais dit de toute façon nord-est. Hein. Je sais plus ce que j'ai dit. Putain. J'ai dit. Ah mais on était à l'opposé vraiment. Ça. La carte du coup, je vois plus rien. Je te dis. Ouais, là ça va être nord-est, ouais, c'est ça. On va direct dessus. C'est une grosse île en même temps. Donc, Full voile là. Full voile, full vent, ouais, trop bien. Il y a un scoop là-bas. Il a envie de l'attaquer. Lui, je sais qu'il est cool. Parce qu'il est sur une île. Il faut l'attaquer en vrai. Tu peux mettre les trésors en bas. Pour le cacher. Oh merde. Ou en haut d'ailleurs même en fait. Ouais, ce sera plus simple en bas. Hein. Ouais mais en haut généralement les gens ils... On va mettre manière. S'ils nous attaquent je pense qu'ils vont nous faire couler. Voilà. Il nous fonce dessus. Oh, y a un petit bateau devant. C'est qui nous fonce dessus? Un petit bateau. Tu crois? Ouais. S'ils veulent, j'ai des boulets. Hein. Ah, non, ils ont rien fait. Y'a personne qui est venu à bord. Hein. Oh oh. Oula. Bon, mon jeu a frisé. Ah, ça y est. Waouh. Ah mais c'est l'autre qui me fait friser à ce point là. Ah on a, y a un nouveau. Non il n'y a pas de nouveau. Je sais pas, mon jeu frise de ouf là. Moi aussi. Il a frisé deux fois de dingue. À gauche toutes. À gauche toutes, c'est l'île sur la gauche. C'est l'île là. Il y a un bateau là-bas.
Les deux bateaux même. Pas trop quand même. Hein. T'inquiète, t'inquiète. On va ralentir un peu. Faut juste que tu manœuvres. Il y a un ponton là-bas, tu vois, je vais essayer de m'y mettre. Ouais. Prêt à jeter l'ancre. Pam pam. Gauche. C'est fier ? Non, c'est bon. Attends, hein. Attends mon signal. Ouais. On y va tranquille là, ouais. Bah c'est bien. 3, 2, 1. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il disait le parchemin? Au cairn de l'escrimeur, près du grand rocher central où règne le silence, jouez un joli refrain. Au cairn, qu'est-ce que ce truc? Un gros rocher, il y a un gros rocher là. Il devrait y avoir un escrimeur dessus. Alors, est-ce que c'est toi, petit rocher? Non, ça a pas l'air d'être toi. Ah, il y en a celui-là aussi. Il joue une mélodie autour de chaque rocher, c'est marrant. Ah, c'est quoi? T'as vu, on a une espèce de clé là, j'avais pas vu. Ah bon? Ouais, il y a de la clé bizarre. Qui est apparue au-dessus de la vie. Au-dessus de quoi? Au-dessus de la vie. De la au-dessus vie? De notre barre de vie, il y a une clé qui est apparue avec une barre aussi à augmenter. Ah bon? Ouais, j'ai pas vu. Ah oui, non, ça c'est normal. C'est le pavillon. Okay. C'est 1 sur 5 là, c'est ça, hein. C'est dans le genre. Si on fait des missions, je crois qu'on peut gagner des bonus en fait en... finissant ça. Il y a un baril de poudre là. Ah, attends. Il y a un bateau là-bas plein de voile, donc ça veut dire que lui il a l'encre. S'il bouge pas. Putain, j'ai encore craché sur mon micro. Ah. Vivement le micro, micro-pied. Jouer un jeu. Je regarde bizarrement à côté. Bon, je trouve pas le rocher. C'est quel rocher? Il y a un petit cochon. Un autre petit cochon. Alors le rocher central, c'est ça. Ah, il y a de la bouffe encore. Du coup, on a des boulets spéciaux. Ouais, j'en ai récupéré aussi. Je ne trouve pas ce rocher. Ah là là. Mais il l'a pas fini déjà. Non non. Non parce qu'il l'a pas, il l'a pas ouverte. Enfin il l'a. Enfin elle s'est toujours pas révélée complètement, donc c'est sûr que non. C'est vrai que le seul terme que je comprends pas, c'est au cairn de l'escrimeur, près du grand rocher central. C'est fait. Quoi? Il part. Qui ça qui part? Bah. Il part avec notre bateau. Notre allié? Bah oui. Oh. On va le mettre au fer. Ah non, mais le truc, c'est qu'on a des trucs sur le... Mets-le au fer. Il va s'arrêter. Non, mais si on le met au fer, en fait, le bateau, là, il coule, tu vois. Pourquoi il coulerait? Bah, parce qu'il est sur le bateau, là. Et il part avec. Et alors? Bah, et alors? En quoi le bateau coulerait?
On va le rejoindre avec le... Mais c'est pas grave, on va le rejoindre avec une sirène. Mets-le au fer. Valide la mise au fer. Il y a une sirène là. T'as validé ou pas? Allô? Ah ouais, c'est bon. Ok. Donc là, au moins, on va reprendre le contrôle du bateau et puis voilà. C'est pour ça que j'aime pas tuer avec les autres. Il a pas du tout fini sa quête, c'est complètement con. Bon, allez, faut qu'on y retourne. Mais... Hop. Hein? C'est bizarre. Faut faire demi-tour. Quoi? Non, on joue avec un autre mec et genre le mec il a même pas entendu qu'on finisse l'autre quête, il s'est barré avec le bateau. Bah on l'a mis en prison et on est retourné sur notre bateau. Il est en bas, il est là. Coucou. Mais tu fais pas... On fait pas demi-tour. Direction du ah, c'est hein demi-tour. On vient de l'île là. Ça va faire demi-tour. Ok. Il veut de l'or. Ouais, mais bon. Ok, le mec, genre le mec il nous tire rien avant quoi. Il voulait juste quitter le jeu en fait avec notre or et se barrer quoi. Il veut plus, il veut pas juste attendre. C'est encore un gamin, tu vois. Il peut pas être maman qui lui dit ah, coupe le jeu vidéo, mais pose Kevin, dépêche-toi. Mais c'est un jeu en ligne, maman, on peut pas, mais pose quand même. Please. Bah, Liv, écoute. J'ai envie de lui donner un crâne, tu vois, et qui saute à la mer. Tu vois. Non mais non, parce qu'il va pouvoir revenir sur le bateau en fait, donc c'est un truc sans fin, il va reprendre le bateau et il va nous machin. Donc non, il est bien, on cale et jusqu'à ce qu'il se barre. Ah c'est un français putain, super. Dis pas qu'on est français. Hein. Dis pas qu'on est français. Ah bon. Sorry, attends, comment il a écrit ça? Ah j'ai pas vu. Comment on voit les autres messages? On voit pas. Ah ça je sais pas. On arrive bientôt par contre. I'm not English, my French is not good. Not good enough. Putain, en plus j'avais tellement bien calé mon bateau. Ah, y'a un croix de bateau là-bas. Tu reprends pas la barre, d'accord. Ok, bon, bah, Ouais. Hey. Non, mais je suis dégoûté, j'avais tellement bien amarré le bateau et tout là. On a tout niqué. Pas grave. C'était parfait, on avait le temps, on était bien cachés. Please. I want my gold. Oh, on est pas mal là. Ouais. Can I move, please? Bah non. Marqué ça oui, ou Lucian. Tu peux te barrer ou attendre. Alors. Là on est bon. Ah j'ai trouvé un boulet en plus. Tiens. Il y en a un qui est offert. En fait à chaque partie on en met, j'en mets un offert. C'est drôle. C'est pour ça qu'il faut. Quoi qu'il y a à l'intérieur de la grotte là. De quoi? Avec des pions là. C'est qu'il faut pas jouer avec des pick-up. Bah en fait, il y a plusieurs fois où franchement c'était cool. Il y en a une fois où j'étais tout seul et c'était vraiment ouf. Il avait un super bateau, il a lancé des quêtes, il jouait de ouf. Franchement c'était trop bien. Après bon bah c'est comme tout, hein, ça dépend des gens. Il y en a des moins bons que d'autres. Quoi. Mais c'est sympa je trouve d'avoir 2-3 personnes en plus, tu vois, pour tenir le bateau là, enfin, surtout s'il est grand quand même.
Du coup, ce qu'on va juste faire, parce qu'il me saoule avec ces messages, on fait équipage, Alexandre, Arleur, couper les chats vocals, couper le textuel, couper le chat pirate. Voilà. Putain, un coup, je suis dans une grotte. Ouais, je suis dans une grotte aussi. Je suis là même en fait. Et tu peux couper hein, son chat textuel. Ça, il est tranquille. Il a marqué OK, finish with you. On lui laisse une chance. Non. Trop tard. Ah non, mais non, il va refaire la même, on va refaire encore 20 minutes à repasser le bateau. Il a marqué. Non, mais du coup, il a dit vite. Donc, non. En plus, ça fait une faute. Non, non. Cochon. Une faute en plus. Tiens, cochon. Moi, je vois plus son chat. Donc, ça me va. Jusqu'à ce qu'il lit, et là, j'aurai un petit message en mode il est parti. Mais la dernière fois, ouais, on en a eu un comme ça avec l'Actrum, il est resté une heure. Et il y a même apparemment, moi j'avais coupé son chat et tout, et apparemment l'Actrum me disait qu'il entendait genre son père qui parlait, en mode, mais oui, laissez jouer mon fils. What the fuck, vraiment les parents. Ouais, c'était énorme, ouais, ouais. C'est mon fils, ok. Vous jouez avec mon fils, d'accord. I can go out. Et qu'est-ce qu'il avait voulu faire? Attends, qu'est-ce qu'il... Non, en fait, il faisait rien, nous. Il était assis carrément sur le pont, puis il attendait. Donc on l'a mis en cale. Au départ, on cherchait pour le kicker, mais on peut pas. J'aurais battu son chat, il fait de la peine, bichette. Mais oui, moi aussi. C'est pour ça que j'ai recherché. Comment? Moi aussi, il est toujours enfermé, ouais. Mais c'est trop qui va refaire, tu vois, qui va retenter le truc si on le sort. Mais c'est sûr. Il est en train de mal nous parler, là. Pas grave, il y aura un autre joueur qui le remplacera. J'ai trouvé un baril de poudre, mais je vais pas le prendre du coup vu qu'on joue avec des pick-up. Ouais. Alors attends, du coup, au cœur de l'Esfrimier, près du grand rocher central où règne le silence, Darin jouait un joli refrain. Truc d'Esfrimier. C'est ça que je vois pas ce que c'est. Où règne un silence d'un. La quête est chelou. Je vois pas de truc d'escrimier en fait. Oh, y a... Il y a plein de bouffe. Il y a un pirate. Ah, c'est peut-être ça. C'est quoi ce machin? Touché, oh putain, moi aussi touché. Je vois pas où c'est. Ah! C'est passé, il y avait un bruit. C'est moi qui ai trouvé un petit trésor? Ah, ok. J'ai tué un squelette, il m'a donné sa tête et une quête. Attends, j'ai pas compris pourquoi il y a la cloche qui sonnait. C'est moi qui l'ai fait sonner. Je vais voir si c'était la cloche des fois que je vais faire sonner. Parce que je pense que c'est ça le grand rocher central. J'en vois pas trop d'autres qui seraient centrales quoi. Et il est énorme ce rocher, il est en plein milieu. Mais par contre je comprends pas ce que c'est le truc de l'escrimier machin. C'est vrai, je suis pas du tout dessus là pour l'instant, je fais juste le tour. Je sais pas du tout ce que c'est l'escrimier. Il y a plein de serpents là, c'est marrant. Ah, il a déco. Ouais, mais c'est sûr. Please, I want my gold. For buying a jogging Adidas.
Alors. Au cairn de l'esprit. Alors j'ai cherché ça quand même sur Google, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, on est à Lone Cove du coup. Donc ça veut dire qu'il y a deux quêtes à trouver en fait dessus. Ah ouais? Ah, la deuxième que t'as récupérée sans doute. Ouais. Ah, c'est un petit. Apparemment, un cairn, c'est des petits. Comment ça s'appelle? Des petits, comme des petits trucs mis au sol. Ah, c'est ça, je pense. Ouais, c'est ça, bah oui, en plus. Ok, j'ai trouvé. Donc maintenant, il faut que je joue un air de musique. Aïe! Et maintenant, du coup, au crâne du vendeur de bougies du cimetière à l'ouest. Après l'honnête labeur, à vie pas machin. Ok, au crâne du vendeur de bougies et cimetière à l'ouest. Ouest, c'est où? C'est là, ok. C'est toi qui as tiré? Ouais, il y a des squelettes à côté. Voilà, il n'y a plus de squelettes à côté. Parfait. Ah, attends, c'est qui lui? C'est un monsieur? Ouais. Et du coup, il y a une épave juste là-bas. C'est peut-être lui le vendeur de. C'est ça, Deathlot Charlotte. C'est elle. Donc, du coup, la mission c'est. Au crâne du vendeur de bougies à l'ouest du cimetière, après honnête labeur, à 8 pas sud-est, salaire sous vos pas et pas ailleurs. Sud-est, du coup, ça ferait quoi? Là-haut? On prend une pelle, on va essayer par là. Non, j'ai trouvé des larves, mais pas ça. Mais l'autre, on l'a pas fini du coup, t'inquiète, si bah, je suis en train de faire la première là, hein, toujours. Ah, ok. Au crâne du vendeur de bougies du cimetière à l'ouest. Attends, je crois que j'en ai un qui m'attaque, ouais, c'est ça. Il y a des personnes qui m'attaquent. Pourquoi tu cours toi? Voilà. On est à l'ouest, ouais. C'est lui le vendeur des bougies, il est là. Donc c'est lui, mais du coup je vois pas la suite de la quête. Après honnête labeur. Ça veut dire quoi après honnête labeur? C'est ça que je vois pas le mot, qu'est-ce que ça voudrait dire? Après honnête labeur. Après un travail honnête? Non mais c'est juste pour faire... Pour que ça soit mignon, tu vois. C'est sud-ouest. Ah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Généralement, je marche toujours un peu trop. Ouais, tu marches trop, c'est sûr. Mais après... Au crâne du vendeur de bougies du cimetière à l'ouest, après 8 pas au sud-est. Non, ça doit pas être ça. Hein. C'est sûr que c'est lui, je pense. Mais c'est le truc de... Je sais pas. Bon, il y a un truc qui va pas.
Après Honnête Labeur, à 8 pas au sud-est. Après Honnête Labeur, ça peut-être dire quelque chose. Je cherche l'autre moi. Allez, vas-y, cette terre des richesses de valeur. Non, bah, je trouve pas. Ne baisse pas les bras, Jérémy. Tu vas y arriver. Ah mais je vais faire toute la plage ouest du coup il y a peut-être... Ah merde, je me suis fait mort par un serpent. Saleté de serpent. I saw you coming from miles away. Ah. Non, reste. Oh, I'll see you again before you see me. Ah, j'ai loupé. Je t'ai. J'arrête pas d'exploser des squelettes qui ont un baril. Trop drôle. Ah ouais. Ouais, mais alors ça, j'ai explosé plusieurs fois moi avec eux. Alors, au crâne du vendeur de bougies du cimetière à l'ouest. Ah attends, au crâne du vendeur de bougies. C'était pas du tout ça en fait. Hein. C'est pas... Ah par contre, ouais, j'ai de nouveau un mec là. Non, un baril. Ah. Wow. En fait, c'est le coup, c'est pas du tout ce que j'avais compris. Alors attends. Sentir rocailleux, j'imagine que c'est ça. C'est lui, je pense. C'est lui. Il y a une bougie sur lui. Ça doit être lui, le vendeur de bougies. Donc on a dit après, sud-ouest, hein. Non. Attends, c'est bien sud-ouest ou pas? Sud-est, je suis con. Donc je pense que c'est ça et après sud-est. Ok, par là en fait. Voilà tout. Aïe 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 aïe. Ok, bon j'ai trouvé. C'est un pauvre coffre en plus, alors je sais pas s'il y a grand chose dedans. Mais... Ah, sinon c'est un coffre qu'on peut ouvrir. Déjà il y avait de l'or. Ouais, il a pas l'air ouf quand même. Mais bon, il y a deux objets dedans, c'est déjà mieux que rien. Bon, parfait. T'as fini l'autre quête, toi, du coup? Non. J'en ai trouvé une autre. Et j'en ai trouvé une autre.
Bon, je suis full en bouffe, je vais aller mettre ça sur le bateau et je reviens. Oh oui, le bateau. Voilà. On a trouvé un truc trop bien là. Bah, plein d'or, plus que le tien. Et dedans, il y a des trucs. Trop bien. Ah, j'ai trouvé une quête, je crois, non? Moi, j'en ai trouvé deux. C'était pas une quête en fait, ce truc là. J'ai pris un truc, c'est peut-être un truc à manger. Là. Je trouve du coup le sentier au nord-est qui descend sur la plage. Y'a quelqu'un qui nous a rejoint. Ah ouais? T'as vu? Bah, je crois, ouais. Hein. C'est qui lui? Dans H Boxer. Je sais pas s'il est anglais ou pas. Et j'ai l'impression qu'on fait une cave avec des français. Il est germain. Il est germain avec des Il est américain. Oh là, je vais y arriver. Allemand. Allemand, ah ouais. Mais il peut se faire passer pour un soldat, un pirate allemand. Ouais, mais c'est quoi, hein. Maintenant, du coup. Pas grave, on en fait plusieurs. Il en reste une sur cette île là ou pas? Oh la vache, ah oui c'est vrai. Ouais. Reduit Isle, avant-poste, ça c'est quoi? L'île Lonely, d'accord. Ah la tienne tu l'as pas fini du coup. Tu fais quoi? Oh oh, il y a un bateau qui vient. C'est vrai? Ouais, droit en face. Un gros bateau. Je sais pas s'il nous attaque ou pas. Hier, vu comme on est prêt, j'ai envie de te dire. Après, c'est la plus grosse île hein, de Sea of Thieves, donc. Ah bah si, nous attaque. Ah ouais, je pars du coup avec. Le problème, c'est qu'on est. On peut y voir encore. Oh, ah bah, le mât est tombé. Le deuxième mât tombe. Bon j'arrive. On arrive tous les deux en fait. Bah, je crois qu'il se barre en fait le bateau, hein. Il ne voulait juste casser nos mâts. Bon allez, je retourne sur l'île là. Ah merde. Ah merde, j'ai pas vu. Non, non, il se barre pas du tout en fait. Hein. Il y a un mec sur le bateau avec moi. Ah ouais? Ouais. Oh. Il s'est barré. Ah, ils font demi-tour. C'est qu'il faut pas prendre de gros bateaux en fait, un truc au moins les mecs ils attaquent pas, tu vois, ils se disent oh, le type il est tout seul, il a juste 3 coffres. A mouru. La 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 la. J'ai essayé de tirer sur la sirène en fait. J'ai pas vu que c'est la sirène. Je déteste ça.
C'est pour ça que j'aime pas ce jeu en fait. Je viens de me rappeler ça. Bah genre il y a des mecs plus au niveau que nous et ça se voit par rapport à notre bateau parce qu'il est pas du tout stylé quoi. Et genre le type on a à peine réapparu depuis j'ai la. Ah c'est tué. Oh, c'est long, à mon avis, notre bateau était considéré comme détruit. Oui. Et du coup, on revient sur. Ce que je propose, c'est qu'on prenne un sloop, tu vois. Ça change rien de manière. Ouais, ils sont toujours là. Hein ? Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. C'est-à-dire ? Bah, le type, il vient plus en plein milieu de la mer, tu sais. Ah, oui, mais. Là on a un nouveau bateau et tout. Non non mais moi je prends un nouveau bateau, je prends un sloop, ça sert à rien de prendre un gros truc comme ça. Mais ça sert à rien un sloop, ça va changer quoi? Mais genre déjà c'est un petit donc ça va plus vite, c'est plus facilement manœuvrable. On n'a pas c'est un plus bureau, fragile en fait. Tu vois qui fait rien. De quoi? C'est plus fragile un sloop, ils le disent eux-mêmes dans ah la... oui mais justement, enfin, genre en vrai déjà c'est plus facilement manœuvrable, ça va beaucoup plus vite, ça se cache plus facilement. Tu vois, pour les nouveaux joueurs, c'est largement suffisant. Ouais. T'es le type là, le bateau il est coulé, tu vois, genre il vient de me refaire chier quoi. C'est pas du tout intéressant, genre là ça fait une heure. Comme dans tous les jeux quoi, qu'est-ce que tu veux. Ouais, mais au moins, tu vois, genre dans les autres jeux, t'as quand même un minimum une récompense. Là ça fait une heure qu'on joue, on a strictement rien à la fin, c'est hyper frustrant quoi. Ouais, ça arrive. C'est comme ça. Encore, tu vois, si t'avais pris, enfin, si on avait pris du plaisir entre temps, ça passe, tu vois, mais là. On a gagné un peu de gold, c'est déjà ça. Après je sais même pas si on... Ah, je viens de faire ça. Bon, et bah partons pour un sloop là. Je sais pas, je suis pas convaincu de ton truc, mais on va voir. On va voir. Bah déjà au moins on aura pas un pick-up en plus, tu vois. Oui, mais ça fait rien ça. Merde, j'ai fait level 1 tout seul. Ah non non. Attends, c'est pas grave, je peux te rejoindre. Ouais.
Je vais manger une crêpe. Qu'est-ce qu'il y a? Une crêpe. Oh yes, I have jobs for you. Goodbye, my friend. Ah, j'aime pas cette île, c'est super loin pour redescendre. Ah yes, tellement. C'est tellement... Oh merde, je sais pas comment je descends. Ah, je suis sur le bateau. Déjà ? J'ai descendu par où ? J'ai sauté avec le dash là. Tu t'es pas fait mal ? J'ai sauté dans l'eau. Ah ouais ? D'accord. Ah mais dans tous les cas, moi il faut que je passe au village là. Aller activer le pavillon. Parce que t'es avec moi là ? Ouais ouais. J'ai pas vu arriver du coup, ok. Ah j'aurais peut-être besoin de toi du coup. Ouais, il faut que tu viennes voter là. Hello ? Hello ? Ouais ouais ouais, j'arrive. Attends. Yep, yep, yep. Non mais je parlais hello parce que c'est le marchand qui m'a dit hello. Donne accès au voyage, combien d'heures ? Ça fait quoi en fait ce genre de quête là, le pavillon? En gros, apparemment ça rajoute, enfin ça te permet de gagner plus de récompenses. Okay. On est émissaire du chercheur d'or en fait. Ah, c'est pour ça du coup on a un gros drapeau et on est hyper visible. Hyper visible, on a juste un drapeau quoi. Ici. On a un drapeau. Il est beau le drapeau. J'ai une quête là, voter, allez on est deux. J'ai déjà voté moi. Non mais sur la quête maintenant. Non mais c'est dans le bateau. Ah. T'as pas voté dans le bateau. Je regarde les pros. Je pense qu'on va partir sur une pro du Kraken hein. Du coup il manque encore 20 000. Oh. Un tout petit rafio dans notre petit rafio. Tout 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 tout. Ok. J'aime bien le côté gold du bateau, tu vois. Sur le Kraken, il n'y a pas de gold. C'est plus rouge, non, le Kraken? Ouais. Bon, Eddy, on y va? On y va? On y va? Eddy, Eddy, on y va? On y va? Non, je vais pas acheter ça. Parce que c'est pareil, la coque, tu vois, l'actrum en soi, il l'a, donc... on va prendre, je sais pas. Eddy, que... on y va? Mais si j'ai beaucoup. Hey Eddy, on y va, on y va, on y va. Ah il y a un tonneau là, il y a quoi dedans? Oh il y a de la nourriture. De la nourriture. Encore de la nourriture. Oh la nourriture et des boulets. Et là, de la nourriture, des boulets. Ah oui c'est vrai qu'il y a plein de trucs dans l'avant-poste de départ. Faut que tu valides la quête, comme ça on doit voir où on va. J'arrive. Voilà. C'est un beau bateau goldé que nous avons là maintenant. Elle est où la quête? Quête obtenue. J'ai obtenu une quête en plus. C'est quoi ça? Caisse d'inventaire en plus. Mais la quête principale c'est elle, Devil Ridge. Alors si... Regarde, il est pas beau le bateau comme ça, j'aime bien. J'ai pas vu, attends. Je cherche Devil Ridge. Devil Ridge. Devil Ridge. Oh, encore des quêtes? Ah non, c'est les deux autres qu'on a exécuté. Et Thieves Haven. Thieves Haven. Thieves Haven. Et oui, c'est oui, c'est oui. C'est direction du coup. Là pour la première, c'est sud. Sud légèrement ouest. Ah, Thieves Haven. Voilà. Parfait. Voilà.
Ah, il est contre nous, le loin. Encore. Tu m'as dit sud légèrement ouest, hein. Ouais. Je revérifie ça. Un peu plus sud encore. En fait, maintenant, ça va être quasiment sud-sud. Le ouest, on l'a quasiment fait. Et c'est une grosse île, normalement. Voilà, là, c'est bon. Regarde la... la barre, comment elle est belle. La barre. Une barre en or. Waouh. C'est raffiné. Après, il faudrait que l'encre aussi le change. Ouais, moi, j'achète que des pavillons. C'est quoi le pavillon déjà? C'est ça là, la clé. Ah. Et si on fait 5 trucs, je sais plus ce que ça fait, mais apparemment ça a l'air de faire un truc bien. Hein. Quand on a fini la progression de la barre. Oh ouais, j'ai failli tomber moi. Je peux te laisser gérer, je vais faire une crêpe, j'ai faim. Ok, la bonne crêpe. Mais par contre, je sais pas si c'est pas l'île juste là en fait. Je pense qu'il y a moyen. Ouais, si c'est elle en fait. Une crêpe mûre, une crêpe chocolat. La bonne crêpe. Ouais. Non mais attends, du coup en fait Laetitia y va. Oui oui. Laetitia y va. Laetitia elle y va. Oh la 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 la. C'est Devil's Witch du coup, c'est ça? Ouais, c'est elle ouais. Okay. Sur ce point, il y a un squelette qui nous attaque au canon, je crois. Ah bon? Donc mets-toi bien en dessous, pile-poil entre les, toutes les îles là, tu vois. Ah bon? Ouais, il me semble. Hein. Bah non, elle est verte celle-là, normalement elle est pas agressive, l'île. Ah ouais? Si, pourtant là-bas, tu vois, je vois un canon. Ah, il y a un truc qui est apparu là-bas, c'est quoi? C'est un serpent. On est bientôt bon, si tu peux jeter l'ancre. Un petit peu à droite. Ok. J'ai remis la barre correctement sur ça a touché là. Ah. J'essaie de tourner à droite mais ça veut pas. Putain j'ai eu peur. Ah. J'ai un strip sur Ben Red à côté. Ouais. Et du coup j'ai cru qu'on me tirait dessus. Tout seul c'est beaucoup plus lent. Ah bah voilà. Vas-y, je te laisse faire, je vais faire ma creep. On est bon, allez go. Tu me caches en haut. Devil Ridge, voilà parfait, on est à 1 sur 5 du coup. Alors. À l'explorateur en cage où la lumière éterne, brandissez une lanterne. Un mec en cage. Alors on va chercher un mec en cage. Ah oui, on est venu plusieurs fois ici déjà. Martha, la fameuse à qui on devait livrer des trucs. À dire, cherchons ça. Un mec dans une cage. Dans une cage, Il y a des petits cochons partout ici. Petits cochons, il y a des petits cochons. J'ai de la nourriture, j'ai déjà de la nourriture, Ah mais c'est... Ah non, c'est tout pas ça. Oh oh. Oh oh.
courir. Waouh. Bon bah ils ont explosé, hein. Non. Courir. Waouh. Voyons si personne nous a entendu avec tout ce bordel. J'ai pas trouvé par contre d'explorateur en cage. J'ai trouvé un feu. Lanterne, allure. Je les trouve pas. Alors, ça serait où? Un mec dans une cage. Je pense que j'ai déjà vu des trucs comme ça en mode il y a une cage, un squelette dedans, genre. Mais alors, où est-ce qu'il est là? Sur cette île-là? Pop, pop, pop. Ça va être dur à trouver. Oh, ah bah là, il y a un capitaine. Là. Lui, il va nous trouver de l'or. Voilà. Ok, alors. On va quand même faire le tour, finir le tour de l'île, même si on a récupéré un petit masque de squelette. Un petit crâne. Où est-ce qu'il y a un mec en cage ? Elle est grande cette fille. Elle est grande, elle est grande. Ah, après, est-ce que c'est sur une autre petite île? C'est possible. J'allais jeter un œil du coup sur l'autre petite île. Là-haut, il y a des oiseaux. Qu'est-ce que j'ai vu les oiseaux? Ah, ils ont disparu. Bizarre, bizarre. Ah non, ils sont là. C'est chelou, ils sont au-dessus genre de l'eau.
petite banane. Mais je trouve pas ce que le plan est où, franchement. J'avoue que leurs quêtes à chaque fois elles sont quand même chaudes. Franchement, à chaque fois c'est pas genre direct quoi. Ah, il y a un peu de. Ah, j'ai plus de mal. Bon, alors il est où ce petit explorateur dans une cage? Ce serait ça? Non. On dirait un symbole de cochon. C'est fou quoi. J'ai fait tout le tour de l'île, mais après j'ai pas pu faire tout l'intérieur parce que seul c'est vachement grand, mais ça c'est quoi? C'est pas ça. Une petite quête obtenue. En fait, je me demande. Si genre plus t'as de trésors sur ton bateau, plus ton bateau ne brille pas, tu vois. Je sais pas. Parce que là-bas je vois un petit sloop. Le truc il brille tellement de mille feux. Alors que. Enfin ça me paraît bizarre, tu vois. Ah ouais. C'est possible. Moi je trouve pas hein, pour l'instant. Un explorateur en cage, j'ai pas trouvé d'explorateur en cage nulle part. Ah oh. C'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir fait quasiment tout le tour de l'île quoi. Ah après il y a un truc là à l'intérieur. C'est peut-être un explorateur ça, après il est pas en cage. Non. Ah, un poulailler. Oh, je suis arrivé dans une grotte. Il n'y aurait pas un explorateur dans une cage, dans la grotte. Il y a des ossements partout. Ah, il y a un petit boulet là. Ok. Comme il parle de lumière terne aussi, tout ça, c'est peut-être par là quand même. C'est énorme les grottes qu'il y a à l'intérieur en fait. Ah là! Voilà, trouvé. Bien joué. Eh bah dis donc, sacrément chaud peut-être. Ah là! Oula! Il y a des crânes? Ah oui, là! En fait, il fallait découvrir qu'il y avait une toute petite entrée pour la grotte, enfin, c'est ouf. Bref. À la monstrueuse légende maritime qui, sous terre, se terre, entonnait l'air, bis et terre. Quoi? À la monstrueuse légende marine?
qui sous terre se terre. J'irais bien ça dans les souterrains où je suis du coup. Est-ce qu'il n'y aurait pas un symbole gravé quelque part? Un petit tonneau, ça a l'air bon spécial dedans. Ce serait pas ça. On pourrait jouer un air du coup devant elle. Ah, ça, c'est une caisse à cochon. Hein. À l'employé encore. Non. Il n'y a rien qui réagit du tout. Non. Bah c'est pas ça. En fait, il y avait une entrée sous une cas- sous la cascade. Ok. Ah là là. Ça y a trop de trucs, hein. Tu comprends tout quoi, toi, dans la quête? La première. Quoi? La première. Oui, oui. Ah, il fallait déjà sauver le quête. On est où? Bah, sous terre. Là où t'étais? Non, ça va marcher. Eh ben quoi, c'est pour ça? Une bête sous terre. C'est tellement vague leur quête, c'est ouf. Ça peut correspondre à 1 million de trucs. Merde. Oups. J'étais en retour Windows et je suis revenu sur le jeu en cliquant avec la souris et en fait j'avais une bombe dans ma main. Allure. Et là, c'est l'entrée du souterrain qu'on a trouvé tout à l'heure. Ok. Mais une mystérieuse bête sous terre. Après, ce serait étonnant que ce soit dans la même grotte, qu'il y ait deux quêtes différentes. Ah, c'est une autre quête? Non, c'est toujours la même quête, mais tu sais, c'est la suite. Et c'est rare qu'ils te mettent la même chose, enfin, dans le même endroit, en fait. Et là, j'avais trouvé une bête bizarre, mais c'est... Enfin, ça a l'air d'être ça, en tout cas. J'ai vu de la musique, mais ça sert à rien. C'est monstrueux. Du coup, ça doit être... Quoi? Ça doit être, en fait, un kraken dessiné, tu vois, sous terre. Tu fais de la musique devant. Ouais, mais y a pas. J'aimerais bien, mais j'ai pas trouvé, justement. Y a rien de dessiné nulle part. Donc ça doit pas être ici. Ah, j'ai trouvé un capitaine. Ah, c'est le deuxième capitaine de l'île. Mais il me tue, ce con. Allez. Il est super fort, ce mec. D'habitude, ils sont pas tout forts. Ta 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 ta.
un bateau juste à côté là-bas. Mais il est sur la petite île apparemment. Elle est où la grotte? Ouais, elle est pas là, elle était en bas. Pour descendre, tu peux rentrer soit par la cascade, soit sur le côté gauche. Ok. Ah, je tombe. Ah bobo. Bon alors, je vois pas du tout le petit symbole. Quel saut de ouf! De quoi? J'ai sauté tout en haut du rocher jusque dans l'eau. Ouais, j'ai sauté aussi. Du coup, il n'y a pas du tout de calme, quoi. Ah, après là-dedans. Ah, si, il est là! C'est quoi l'herbicétaire? Joue de la musique. Voilà. Il était où? Voilà la grotte. Dans quelle grotte? Voilà. Celle que j'ai trouvée? Ouais, ouais. Je pense, ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Okay. Ouais, au land sprint sur la place de sud-ouest, combien de volontaires à 7 pas? Pareil à tourner à la terre. Au land sprint nord-ouest. Sud-ouest, il a dit non? Sud-ouest, ouais. Sud-ouest, c'est par là. Évidemment. Des lances, pas... Ah oui, là, ok. Trouvé. Et après, du coup, aller... L'ouest, nord-ouest. Ouest, nord-ouest. Là, du coup. Trouvé. Ah, il y a des méchants. Salut. Ah, pas bien. En or aussi. Bon bah écoute, on prend ça. Il y avait d'autres quêtes sur cette île ou pas? Je sais pas. Ah, il y a une caisse de munitions pleine aussi. J'ai
Tu savais que j'avais eu une quête aussi. T'as eu une quête où? En battant un capitaine. Ouais. On regarde voir juste s'il y a une quête sur cette île. C'est où ça? Bah dans tes quêtes. C'est quoi c'est... Non mais c'est Devil Ridge. De quoi? On est où là? Ah on est sur Devil Ridge donc ouais il y a une autre quête. Parmi les 1000 trésors endurés sous terre, trouvez-vous troisième. Lance peinte sur la plage sud-ouest qui requiert qu'on ça, mais on l'a déjà trouvé. Quoi? Non? La plage sud-ouest avec les lances, bah ouais. J'ai déjà trouvé parce que j'ai trouvé le coffre par rapport à là. Ah ouais? Ah bon? Bah il faut retrouver. Ouais. Il y a une autre quête là du coup. Juste au même endroit apparemment. Bon bah écoute, on va aller jouer de la musique là-bas. Let's go! Tu peux jouer un instrument spécial ou quoi? Ah non. Non, apparemment pas d'instrument spécial. Activé. À lire, ça donne quoi? À l'entrée de la grotte enfouie dans la broussaille nord-est. Relisez cette formule. Bon, parfait, ça j'ai déjà trouvé aussi. La grande grotte. Au nord-ouest. On va faire le tour juste. Allez, c'est parti. C'est par là, je crois. Non. C'est là. Relisez ce message. Voilà. Allez, dernier morceau de quête. La mystérieuse cascade de la grotte par le gang guidé. Comptez 7 pas ouest, puis creusez. Ok. Aller dans la grotte où il y avait effectivement une chute d'eau, je me souviens. C'est pas nord-ouest. Non, mais mange pas de fruits, je me suis trompé. Nord-ouest. Ça reste par là, alors. Voilà. Trouvé. Oh yes. Oh, il a l'air avec des rubis le coffre. Coffre de capitaine. Ouais. Le bar de là parce qu'il y avait plein de squelettes. C'est un coffre en rubis. Boom. C'est bon, t'as vu juste là. Ah ouh, je me suis un peu fait mal, n'est-ce pas? Tu fais la quête suivante ou pas? Il y en a encore une, je crois. Ah ouais? Bah ouais, regarde bien tes quêtes. Hein. Celles qui sont sur Devil Ridge, faut qu'on les fasse. Ah ouais, à la cendre du sanglier dans le bosquet au sud. Au sud. C'est là-bas. Attends, je regarde juste s'il n'y a pas de... Ouais. Je vois pas. Je te vois pas sur l'île. Tu cours vite pour un petit gros, hein? Eh ouais. Reviens ici. Alors. Là, non, c'est pas un bosquet. Sud. Ça doit être là-haut. Là, il y a un chasseur. Ah, j'avais vu des sangliers, effectivement. Là, j'ai trouvé un sanglier, là. Il faudrait faire quoi après du sanglier? Je sais plus. Relisez le parchemin. Relisez ce parchemin. Ok, donc c'est pas celui-ci.
Ok. Parce que là j'ai un sanglier peint, mais c'est peut-être pas ça alors. C'est le sud, c'est où? Ouais, on est droit au sud. Là. Sanglier dans le bosquet au sud, reviser ce parchemin. C'était plus haut. Là. Là j'avais un sanglier peint en fait, en rouge. Mais ça active pas, donc ça va pas aller de ça. Avec un truc pour qui voulait me faire exploser. C'est un bosquet. Parce que là, du coup, le sanglier, c'est pas, il est pas dans le bosquet là. Ah là. Mais si c'est forcément ça, là, attends. Là j'ai trouvé d'autres sangliers dans un petit bosquet. Ah voilà, fallait regarder au sud. Ah fallait regarder vers le sud. Alors, vous trouverez l'exploratrice écrasée par le rocher au cœur des rochers et la lanterne dressée, ma cagnotte est accrochée. Vous décrocherez. Attends, l'exploratrice écrasée par le rocher au cœur des rochers. Là j'ai plein de rochers moi à côté de moi. Y'a quelqu'un d'écrasé là-dedans? Là j'ai des milliers de rochers là. Trouver l'exploratrice écrasée par le rocher au cœur des rochers, ça veut dire ça. Ouais, ça veut dire qu'au cœur des rochers il y a une exploratrice qui est écrasée. Quel rocher? Bah il y en a plein là. Ah mince. Ah mais il y a une boîte là-bas qui est apparue alors que je suis passé à côté. Bizarre. Ah mais c'est une caisse de munitions, c'est toi qui devais non? Ouais, j'en avais sorti une. Alors, il faut trouver quelqu'un d'écrasé dans les rochers. C'est fou ça. Mais le problème c'est qu'il y a des rochers partout quoi. L'île c'est un rocher quoi limite. Ah j'ai réussi à monter tout en haut. Ah oh, il y a un petit feu là d'ailleurs. Avec un petit feu de camp, c'est marrant. Ok. Bon, il n'y a rien de plus. On va essayer d'aller voir l'autre côté. Oh oh. Oh là, pas que je me casse trop la gueule quand même. Il y a des tonnes de rochers, mais je vois personne d'écrasé. Hein. Ah après est-ce que c'est dans la grotte du coup? De quoi? Est-ce que c'est dans la grotte ce truc du coup?
défense, hein. Parce que je regarde là toutes les. Toute l'espèce de grotte qu'il y a sur le côté là. Et la lanterne dressée. Et ça veut tellement rien dire, j'ai l'impression, ces trucs. Par le rocher, merde. Au cœur des oh, rochers. Oh, merde, je suis mort. T'es mort de quoi, d'une chute? Ouais, bon bah attends, c'est quoi, je me suis suicidé. De toute façon, y'a pas de... J'ai pas de vie. Ouais. Bah c'est dans le jeu, j'attends. T'inquiète pas, je te quitterai jamais. Au cas où. De quoi? J'essaie d'aller voir dans la grotte. Ouais, je pense que c'est dans la grotte du coup. Ah non. Ah, je suis en feu maintenant. Je suis mort. Bon bah voilà. Un squelette avec un baril dans la grotte. Voilà. Je l'ai tué mais je suis mort. Par où tu rentres pour la cascade là? Bah tu peux aller du coup? Non, j'y suis pas encore allé. Ah bah je vais trouver des trucs. Mais je pense pas que ce soit là. Mais bon. On va la refaire quand même. Mais... Tu me suis là, c'est bon?
vraiment le squelette de base, tu vois. Que les gens écrasent là. Ah non, il y a encore un squelette. Il y en a un avec un. Ah non, pas vrai, ça me souffle. Ah mais t'es mort. Je vais à chaque fois refaire tout le tour de l'île, punaise. Ah, il me saoule ces squelettes là avec des dynamites, c'est pas possible. Ils aiment bien me pop dessus en plus. Je sais pas pourquoi. Ah, mais elle est écrasée là. Il faut que tu lèves une lanterne si tu l'as trouvée. Hein. Non, non. Ah, si. Ah, si quoi. Mais non, elle est pas écrasée par un rocher donc c'est pas ça. Bon, je te laisse faire la grotte, du coup j'ai pas envie de refaire tout le tour, je vais essayer de chercher ailleurs. Ah bah voilà, t'as trouvé. C'est toi qui as trouvé? Non, non, je crois pas. Attends, j'ai levé ma truc là, mais il y avait rien là. Ah non, c'est moi, elle est là. Ah, elle est... ah si, elle est écrasée par des rochers, ok. Légendaire chasseur solitaire sur la plage nord. Bien des espèces enfermées, cette neuf pas écrasée. Je crois que je vois. Chasseur solitaire nord. Il y a un mec tout seul qui est tatoué, enfin qui est tatoué, qui est dessiné sur un rocher. Ok. Bon d'ailleurs c'est près du bateau, c'est pratique. Ah oui, là. Ok. T'as trouvé? Ah oui, mais attends. J'entends encore un squelette, non? Oh non. Je deviens parano avec ce squelette, je crois. Nord-est, du coup. Par là. C'est quoi déjà l'encodage? C'est 6000 de base? Pro stream? Ouais, 6000. C'est 6000 quoi? Et c'est quoi l'unité? C'est KBS? Kilobit. Kilobit seconde, ouais, ça fait 6 mégas à peu près. Ah, mais c'est quoi le sigle de l'unité? KBS, ouais. KBPS? KBS. Je crois que c'est ça. C'est... Nanana... Ah, ah j'ai un truc qui... Les plus... Ouais, KBPS, c'est bien ça. Putain, y'a encore une caisse, là. Bon bah c'est pas lui alors, apparemment. J'essaye mais... C'est pas ça. On va chercher un autre dessin au cas où. Oh non, j'en ai encore deux avec des barils. Punaise. Pourquoi y'a que moi qui tombe sur ces barils noirs? Pas possible. Non, là j'ai un dessin de soleil. C'est quoi exactement comme dit la quête? Oh, légendaire chasseur solitaire sur la plage nord. Viens de créer ça sans fermer. Légendaire chasseur solitaire. T'as posté? J'ai posté quoi? Je parlais de Tia. Ah. Tu la suis sur Instagram d'ailleurs? Non. At Monacraft. Non, at Laetitia Pafundi. Je regarderai. Tu pourras me l'envoyer ou pas? Ça. Je cherche juste à finir cette quête à la noix. Mais ouais, c'est bien là logiquement. Donc... Ah, je trouve. Oh, il est beau le coffre.
Ah, c'est celui qui... qui pourrait. Ah ouais. Ah ouais, 1000 grog. Ah, c'est marrant. Attends, il faut... après on a deux quêtes sur TF Haven. Ok. On va les ramener du coup tout ça, je pense. Ok. Dans un avant-poste à TF Haven. Je suis en train de charger le bateau. J'arrive au plus vite, vraiment. Alors regarde, attends, il y a pas de truc là. Ouais. C'est bon ? Avant pause, du coup, je cherchais... Ouais, bah, faut qu'on remonte, en fait. Faut qu'on remonte. Alors, on est comment, là ? Prêt à partir ? Prêt à partir. Vas-y. Bien tout droit pour direct. L'instant. Et prochain, il faut faire demi-tour. Ouais, c'est tout plein nord. Point plein nord. Ou alors. Attends, réfléchis. Ouais, non, il sera plus loin l'autre. Et là, tu veux vraiment rentrer direct, on est d'accord. Ouais, et après, on retourne à Tiffhaven. Parce qu'on a pas mal de trucs quand même. Enfin, on a pas mal de trucs. On a beaucoup de choses, mais je pense pas que ça va aller. Ça va aller. Légèrement S. Mais je préfère jouer safe, tu vois. Ok. Ah, c'est pas loin, hein. Tu vois, je te disais. Quoi? Tu le croyais pas? Alors regarde, il y a un squelette qui tire là-haut. Ah ouais. Bon, bah écoute. Il craque ce bateau quand même. Ouais. Attends, je tourne légèrement à gauche pour prendre le vent. Après faut aller, attends voir, ouais mais je sais pas où il faut aller justement mais... Ouais non faut vraiment aller plus à l'est du coup. Là tu vas vraiment vers l'ouest, ça va pas. Encore... Voilà. Là c'est bien, on devrait pas tarder à le voir, il est vraiment à côté. Ouais c'est ça je crois. Je vais traduire les voiles dans quelques secondes. Il faudrait faire le tour, c'est de l'autre côté les pontons. Ok. Let's go! Ah, Romain aussi il a fait des crêpes. Ouais, ouais. Mais il l'avait dit hier. C'est crêpes parties chez tout le monde aujourd'hui, du coup. Allez, à droite. Lève là le petit ponton. Je suis prêt à acheter l'angle. Redresse. Allez, on est bon. Coffre qui me rend bourré. Ouh. Aïe, oula.
Oh là là, oh là là, oh là là, on est coincé. Oh, on est coincé. Ah, 1500 encore. Ah non, je suis tombé. Ouais. Je crois que j'entends parler, mais très faiblement. Mais tu parles ou pas, Timmy? Ok, je sais pas, du coup. Je ne t'entends pas. La. Tu m'entends là? Ah oui, là je t'entends. Bah, c'est bizarre quand même. Quoi, genre, j'ai rien touché. En fait, j'avais l'impression de t'entendre, mais j'entendais genre comme si tu murmurais très faiblement. Ah non, pourtant je parlais normal. Ah ouais, bah il y a eu un truc bizarre. C'était chelou. Maintenant, du coup, si on va. Attends, on a encore des trucs avant? Non. Là, une caisse, non? Une caisse de stockage? Non, la caisse. Oui, mais les caisses, elles sont vides. Je sais pas. J'en ai vidé une. Non, bah... Ah bon? Il y a une les caisses là. Là. Bah va la vendre du coup. Mais sinon le reste bon, on fout. Vas-y Tiffyren du coup. On va sud-ouest. Plein sud-ouest. Pas le tour. Sud-ouest, hein, tu m'as dit. Ouais. C'est une grosse ou une petite? Je sais plus. Je crois qu'elle est plutôt grosse quand même. Ouais, elle est grosse. Ouais. C'est là en face alors. On est quasiment en face. Ouais. Bien sud-ouest, normalement c'est bon. C'est pas elle, ça doit être plus loin. Hein. Elle est un peu plus loin quand même. Ouais. On a le vent contre nous encore. Pour changer. Thank you.
Je vais pas enlever ma notification là. Ah, faudrait redresser un peu à l'ouest. Ah ouais, je la vois là-bas. Tout au fond, ouais. Après, il y a des rochers entre nous et l'île, apparemment. Expiré, ah ouais? Ouais, on en avait un, c'était ramené je sais pas quoi à l'avant. Non, ouais. Pas bien grave. I remember. Attention, rocher droit devant. Un peu plus à gauche encore. On va droit dessus. Hein. Gauche. Je te laisse mon téléphone. Ah. Ah, attends, arrête. Arrête-toi une seconde là. Jette l'encre. J'ai vu un rubis, je crois. Ouais, moi aussi. Je sais plus où j'ai vu, mais... J'ai vu un truc rouge briller. Ah mince alors, il est passé où? Si si, je l'ai vu aussi moi, c'est bien. Ah, c'est sur l'autre morceau de ville? Ah oui, non, je le vois là, il est là. Non, non, il est là. Entre les deux rochers. Là? Non, là. Ah oui, là, je vois ça. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. On peut retourner, du coup. On a débloqué, on a 3 sur 4, 5 du coup. Ouais, du coup, t'es faut sur toujours bateau, aller. Il faut aller plein ouest. Ouais, je suis sur le bateau. Attends, c'est en posant sur le bateau que ça a fait ça. En vrai, attends, mais fais le tour de l'île correctement, tu vois. Pendant qu'on y est. Ah, j'ai pas fait toutes les îles. Alors attends, t'as remonté la voile, t'as remonté ça. Donc du coup, je peux nous mettre en plein ouest. C'est bon? Non. Je suis avec un... Je suis avec un copain. Un pirate? Un copain squelette. Mais ne mange pas ta banane, j'ai pas envie. Voilà. Il y a pas la quête avec? Ah, il faut que ce soit un capitaine, hein, pour avoir le mec. Ah, c'est là. Sur Fievehaven, et ça c'est quoi? Ah bah c'est sur les îles là, ça.
Je vois qu'une seule. Ah, c'est vrai qu'il y a des poules là. C'est que nous on a des cages à poules aussi. Hein. Ah ouais? Alors attends. Le nord, c'est là. Ok. Et donc la carte. Et en vrai, je suis pas loin. Ah non, c'est peut-être juste là en fait. Ouais. Ah, c'est un coffre de capitaine encore. Avec un rubis. Ah merde, putain, mais je savais qu'il fallait que je fasse un truc en revenant, mais je savais plus quoi. En fait, c'était prendre une caisse de poules. En plus, les poules, t'as pas besoin de les nourrir. Ah ouais? Quoique, peut-être maintenant, en fait, vu que t'as des vers. Je sais pas. Vas-y, j'ai la flemme, en fait, les poules, de toute façon, plus ça rapporte rien. Bah, comparativement au coffre que je viens de trouver, ouais. Voilà, à mon avis. Ça rapporte que des rôles. Allez, let's go. Normalement, on est dans la bonne direction. Il y a juste à baisser les voiles. En fait, c'est l'île qui est en face, là. Je pense. Ouais, c'est ça, on y est presque. Ah, il y a des pièces là. Ouais. Non mais ça tire donc avance. Oui. Oh, je l'ai presque eu. Je vais tourner autour de l'île et puis on va s'arrêter là. En vrai par là je pense qu'on est bon. Viens là si t'es un homme, j'ai une squelette. Viens si t'es un homme squelette. Ah bah il est parti, j'ai tué. Ah j'ai dû le tuer en vrai, j'ai dû réussir, parce que je le vois plus. Ah tu sais quoi en plus le truc c'est que je suis arrivé pile poil sur la quête. Ah ouais? Parce que là, on est au nord-est, non c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, je suis arrivé pile poil sur la quête du haut. Trop bien. On va essayer les chasseurs sur la saillie au nord-ouest. Oh oh, j'ai touché. Aïe aïe aïe. Il y a de l'eau ou pas? Ah non. Attends. Ah, je vois que dalle, j'ai trop nid là. Est-ce qu'il y a une entrée d'eau? Non, 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 non. Et là? Ah, là peut-être. Ah, il y a une petite entrée d'eau là. Ils me disent de la réparer. Bon, c'est rien de bien grave. Allez, on est bon. Ah, il y a pas de là-bas.
J'aime bien cette île. On aurait pu rentrer aussi dedans carrément, tu sais. Ouais, j'aime voir. Ouais. Excuse-moi, très sympa. Récit du chasseur au nord-ouest. Au nord-ouest, hein? Ouais. J'avais lu nord-ouest, mais tu me dis nord-est, j'ai fait merde. Ah non, nord-ouest? Ah merde! J'ai pas vu qu'il avait un. Un baril? Et t'as tué du coup? Ouais. Ouais. Ah, c'est peut-être ça. Quoique c'est pas un c'est un chasseur, mais dans de l'eau, alors peut-être. Amitié à l'écume, oui, c'est peut-être ça. Nord-nord-est, du coup. Ça va? Nord-nord-est, donc par là. Non, c'est peut-être pas ça. Peut-être pas ça, en fait. C'est plus un... Enfin, même s'il a l'air de chasser des poissons, mais c'est plus un pêcheur. Quoi. Ah ouais, du coup, il y a un bateau juste en face de nous. Il est à quai, il doit être en train de rendre les trésors. Du coup, ça veut dire qu'en vrai, il est... Il pourrait nous attaquer. Hein. Ouais. Si le mec est en séquette et tout, là, tu vois. J'ai envie de rentrer dans l'île du coup. Ça, tu me captes. Bah vas-y, si tu veux. Je suis en train de taper des squelettes là. Je cherche le truc, je cherche la quête. Alors, au récit du chasseur sur la saillie herbeuse au nord-ouest. Encore, pour les squelettes. Ah, ok. Il me frappe fort. Là, je suis au nord-ouest de l'île. Mais une quête en plus là. Et voilà, on est calé dedans. Cool. Quête obtenue. Oh, il y a des poules là, je vais en profiter, on bat tous les côtés. Peut-être que c'est en hauteur, je me dis la quête, alors je suis en train de monter en l'île. C'est le nord-ouest, on est d'accord. C'est plus là en fait. Ok. Plus par là. Ouais, c'est là.
C'est moi qui tire. Ouais, ouais, je me suis douté. J'ai mes filles douté. Ah là là. Voilà. Ah, c'est quête, là. J'ai tué tous les squelettes. Ah, c'est ça. Ouais, il y a un chasseur là. Ok. Nord-nord-est du coup. Nord-nord-est. Donc ça fait là. Ah, c'est pas. Donc ça doit faire par là. Oh merde. Ah, il dit qu'il n'arrive pas à trouver. Ah voilà, trouve. Parfait. Il y a une autre quête sur cette île ou pas? Je crois, ouais, il y en avait deux. Ah, attends, le bateau, il est où, ici. Ouais. Il est en plein milieu. Crook Solo. Oh. Kiffy, ben à l'épouvantail squelette au nord se trouve ma dot. Au nord. C'était les c'est cours. Là-bas. J'emmène déjà lui. Et j'arrive. Ah, t'as fait l'épave là? L'épave? C'est en plein milieu où il y a des oiseaux qui tournent autour là. Juste à côté du bateau. Ah, derrière moi là? Ouais. Non. Je vais y aller du coup. Non. Vas-y, je vais chercher au nord et moi je ramène ça et je regarde les pas. Yopla, yopla. J'entends des poules. Je vois des oiseaux en plus tourner autour, donc je me dis, il doit sans doute y avoir un truc. Allez, c'est parti. Bien sûr. Il y a un tas de squelettes au nord. Ouais, ça a l'air vraiment d'être une vieille épave. Hein. Alors là, il fait quoi? Un coffre de munitions, ça me sert à rien. Allez, un tonneau. Vide. Ok. Ok. Il n'y a rien du tout là-dedans. Alors ta quête là c'était quoi? C'était le nord. Hein. Voilà. Ah c'est beau, il y a un nuage en forme de bateau. Ah ouais. Petit vent. Squelette, on peut se mettre au-dessus. La la ah, là. La 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 la. Ah, épouvantail squelette, c'est ça, hein? Ouais, t'as trouvé? Ça ressemble à ça. Pas sûr à 100%, mais... On va essayer. À 6 pas nord-nord-ouest. Ah bah effectivement, oui. Je passe à côté, putain. Je l'ai vu de loin, je pensais pas que c'était ça. Non. Non. Ça va pas là. Ah, nord-nord-ouest, j'ai peut-être mis nord-ouest en fait. Ouais, c'est plus ça, effectivement. À mon avis, c'est là où t'as fait.
Mais non, il fallait ouvrir d'abord. Récupérer l'or qu'il y avait dedans. Je le prends moi. Et dedans, il y avait un coffret de soufre. Ah, c'est marrant. Je crois que le bateau est par là. Ah bah oui, ouais. C'est vrai qu'il est à l'intérieur. Oh merde. Oh, oh, boulette. Je me suis fait bobo. T'aurais essayé d'aller sur... ah mais t'es... Mais en plus t'as loupé un coffre. T'es passé pile à côté d'un coffre. T'es sérieux? Quel coffre? Ah merde. Là. Pareil. C'est une cave de munitions. Je pense qu'il y a un coffre aussi là-haut. Là-haut. Sur le truc là, espèce de poulie. Ah, attends, mais il y a plein de caisses là. Vide. Vide, vide. Il y a des boulettes dedans, voilà, ça va. Vide. Et où est-ce que t'as dit des poulies? Ah, là-haut. Ah, ouais. Il y a des chances. J'aurais tombé par au-dessus. Ok. Après, groupe solo ici. Ah, mais il y en a un là aussi de coffre. Où ça? Juste en face du bateau. Droit devant le bateau. En hauteur. Il y a un truc qui brille là-haut. Yeah. Vous l'avez ou pas? Vers moi là? Ouais, là, là-haut. Non, c'est bon, vas-y, j'y vais. Essaye de voir comment monter en haut. Je vais avancer par là, je vais le trouver, je pense, le coffre que j'ai vu. Ah là, ouais. Oh putain, c'est un putain de coffre. Ouais, c'est pour coffre ça. Cendré. Attends, je te balance d'en bas. Ah, mais tiens. Tu l'as pris? Aïe. Ah, mais qu'est-ce tu l'as pris? Ah, je sais pas. Je t'ai balancé, il est dans l'eau. Ah, je trouve une quête. Et du coup, ouais, il est en bas dans l'eau. Ok, ok. Faudrait penser à aller le chercher. J'aurais monté tout en haut, voir si je peux descendre là-haut. Ouais. Je suis pas sûr. Là, ça y mène pas. Ok. Ça y mène pas. Ouais, il faut retourner sur le côté où on était tout à l'heure. Bon, je vais rechuter dans le haut et je vais récupérer le coffre au passage. Hop là. Il vaut 35 sur le live de Scorpio. Y'a rien dessus, je suis deg. Ah, y'a rien sur la table? Non. Attends, je vais quand même y aller avant. Que dalle. Ouais, tu peux sauter dans le bateau direct. Ah, c'est quand même des coffres. Ah, bah balancez. Non, c'est des caisses. Non, c'est des caisses. Ah bah. Tu les fais tomber juste sur le bord, y'a le bateau en dessous. Non, non, mais c'est juste des caisses en fait à ramasser, tu vois. Enfin, je veux dire, des caisses comme des tonneaux, tu vois. Hein. Bon, bah alors, attends, voir. On a récupéré quoi comme quête, là, la dernière? Ah, ramener une caisse de fruits, ok. Machin... Ok, bon, bah écoute. On est prêt, du coup. Prêt au départ. Ah, yes, c'est bon, je suis sur le bateau. Tu m'as vu? Non, pas du tout. Genre, j'ai sauté d'en haut, people sur la vigie. Pile poil. Pile poil. Bon, on va sortir de ce petit truc là déjà, doucement. C'est tout juste, hein. On peut juste chercher un avant-poste du coup qu'on essaie de poser tout ça. Yes. C'est quoi ce bruit? C'est un squelette qui tire.
Ok, je lance les... j'ouvre les voiles à fond, qu'on part de là. Ah putain, y'a un truc qui brille là-bas, je crois que c'est un rubis. Attends, mets l'encre. Ah mais s'il y a un squelette qui nous tire dessus, par contre on risque en péril toute la cargaison. Attends, j'y vais vite. Après tu peux prendre un... tu peux prendre un sniper, tu vois, à côté des caisses de munitions. Ouais. Et tu peux essayer de le tuer. Mais je l'ai pas vu surtout, moi je sais pas d'où il tire. Après ça tire plus, remarque. Donc, ça devait pas être bien méchant. Voilà. Nous on va aller du coup à l'avant-poste là, qui est au nord, légèrement ouest. Putain, je crois que c'était une bougie en fait. Ah, je suis dès que c'était une bougie. Allez, je relève l'angle. T'es revenu ou pas? Non. T'es où? Ah mais t'as un coffre? Yeah. Non. Ok. Ouais. Bah, sinon t'aurais pu rentrer en sirène. En sirène. Allez, 5, 4, 3. Je rigole. Vas-y. Et tu me dis dès que tu touches le bateau, tu baisses les voiles. Je touche. Coup de voile devant. Allez, c'est parti. Et si je fais un CV du coup pour être modérateur au niveau auprès de Scorpio? Non? Bah après parce que c'est du temps libre quoi. Ouais. En fait, j'attends de voir la semaine prochaine, tu vois, au niveau de mon taf, si je peux faire les deux en même temps. Si ça se copie. Ouais, c'est-à-dire que tu peux pas streamer aussi quand il stream. Pas. Après lui il finit à 21h généralement, tu vois. Il est en face du coup? Ouais. Ah non, c'est à l'avant-poste là que tu voulais. On va à l'avant-poste. Tu peux un peu rabattre les voiles d'ailleurs, je pense. Un peu... avant-poste, Plunder. On va faire le tour. Ouais, c'est juste là. T'es prêt à acheter l'encre? Ouais. Attardé. Ah.
Voilà. Parfait. Allez. La 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 la. J'avoue que c'est un peu en train de parler à des vues. Et à partir du moment où tu coupes le son, du coup, ça compte. Ta vue ne compte pas. Parce que, par exemple, en fait, je suis en train de me dire justement, Laetitia est tout le temps sur mon live, genre du début à la fin, et en fait, elle, par exemple, elle est même pas top 1 au niveau du rang. Ouais. Alors qu'elle devrait, du coup, tu vois. Ouais, logiquement, ouais. Après, ça calcule tellement bizarrement les vues. Et genre, moi je suis passé à plus de 4 viewers en moyenne là, ça y est. Mais j'ai jamais la même moyenne sur les autres. Sur les autres, genre par exemple sur. Quand Stream Elements il me donne mes stats, c'est jamais les mêmes, ouais. C'est un truc de fou. Ah, que Twitch. Ouais. Ouais, c'est normal. En fait, Stream Elements donne beaucoup les statistiques de chat notamment. Et après Twitch dans tous les cas c'est pour ça qu'ils mettent du temps à valider ton truc, c'est pas immédiat. Parce qu'ils recoupent, je pense. Et du coup là Scorpio il dit en fait quitte à être sur le live en fait il faut juste laisser 1% de son. Tu l'entends pas tu vois mais du coup Twitch il dit que tu écoutes quoi. Ouais mais en fait enfin il y a autre chose qui joue en fait hein, il détecte le curseur. Il détecte voir si tu as de l'activité en fait. Si tu as aucune activité, pour eux ça compte pas comme une vue. En manière ils sont assez forts pour trouver des parades aux principaux trucs. Quoi. Parce que leur objectif c'est que leur stat soit le plus objectif possible, ça soit des vraies personnes. Quoi. Et pareil, ça m'étonnerait pas qu'au bout d'un moment certains viewers habitués entre guillemets. Soit un petit peu moins influent en termes de vue. Il y a un bateau qui arrive. Faut pas la tente. Ah, elle est là. Oh, ça tire. Ça tire? Ouais. Ça tirait là-bas. Ah oui, il y a une bataille là-bas. On est où? On est en ancien spire ici, non? Non, tu m'as dit Plunder, non? Ah oui, merde. On devait ramener une caisse de fruits ancien spire. Et du coup, effectivement, ouais, c'est qu'on a fait, mais on a Plunder. Et le poulailler, faut les vendre, les poules, du coup. Ouais. Youhou! J'ai une poule sous l'eau. C'est marrant. Elle bouge quand même ses ailes. Ça rapporte du coup, on va voir comment ça rapporte une poule. 140, ouais. Ah oui. Pour la merde que ça fait. Et ça c'est quoi? Caisse de stockage, et ça, caisse de stockage. Ah, y'a un bateau qui arrive, t'as levé l'ancre hein, dis-moi que t'as levé l'ancre. Non. Il loupe alors qu'on est là. Oh merde, il m'a touché moi. Je reviendrai en sirène. Mais c'est absurde, il voit qu'on a fini. Bon, je cherche une sirène. Irène, oui. Tu fais demi-tour? Mais non, 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 vas-y, avance. Va vers ancien spire. Bah attends, déjà je répare. Ah, c'est bon, j'ai une sirène. Oh, j'ai une musique épique. Non, mais en fait, c'est les deux bateaux qui nous battaient là tout à l'heure, je disais. Ils nous ont attaqué, nous. Ouais, en passant, ouais. Donc, ouais. Pourquoi pas? Why not? Il l'a marqué en Cespire? Non, pas du tout. Non, mais bah non. Est, t'as dit? Ouais.
J'aurais tourné après moi, mais bon. Ça passe, ça passe. Hein? C'est quoi ce bruit? Non, c'est gratos. Enfin, si tu prends des objets Amazon Prime. Hein. Bon, du coup, je vais récupérer les fruits et je vais la mettre dans la caisse à fruits. Ah, mais non, mais en fait, c'est le bateau squelette. Ah, en fait, ils sont sur le bateau squelette. Ah, j'ai envie de sauter pour aller leur piquer un coffre. Bah, vas-y. Tu reviens dans un sirène. Je sais pas s'ils vont finir. T'es plus à bord du bateau du coup? Tu sais. Je suis sur mon téléphone en même temps. J'ai vu que justement aussi sur Elgato là, je pouvais faire des modifications de voix. Ouais. C'est ça là? Ah non, c'est pas ça. Pourquoi il y a cette caisse là? Putain. Il manque quasiment pas de fruits. Hein. Il manque deux fruits. Regarde. C'est bon, je l'ai. Ah, c'est bon. Non, mais c'est bon, j'en avais 6. Hein. Ah, bah non, je suis full en fait. Voilà, 5 end. Bon, bah voilà, il faut juste aller livrer cette caisse du coup. Et du coup, ouais, je peux modifier ma voix si je veux. Mmh. Avec le Stream Deck d'Elgato. C'est drôle. Ça pourrait être drôle. Oh putain, j'avais trouvé un crâne cendré. Où ça? Ah mais j'ai une chaloupe. Je suis sur une île. Ah d'accord. J'ai sauté. Pas de soucis. Je suis à 1 s'inspire. Et je viendrai te rechercher au pire. Après, je sais pas combien de temps il reste. Ah putain, j'ai plus de fruits. Non, je suis mort. Ah bon? Tout à fait. Ah, il y avait un squelette rouge. J'avais plus de fruits. C'est sur quelle map là du coup? Sur quelle île j'étais moi là? Paradise Spring, mais... j'imagine. Ça. Iceberg juste là où on a devant. Il y a un iceberg devant. Oh merde.
se noter juste tous les endroits où on a encore des quêtes. Crocolo, je l'ai noté. Ouais. Snake Island, oui. Ah oui, et ça. Oui, oh, parfait. L'avant-poste est pas loin, hein, normalement. Ouais, on va droit dessus. Ah ouais, on... ouais, ouais. Parfait. On a juste à livrer ça et après on repart directement sur. À limite, sur on met même pas l'ancre, tu vois. Ouais. Alors je le saute avec la caisse et je prends une sirène. Ouais, je vais le faire plutôt. Vas-y, c'est une caisse. Il faudra aller légèrement. Où... En fait, c'est ouest, légèrement nord. Enfin, tout est sur la carte en fait. C'est de, dans l'autre sens, non? Ouais, il faut retourner, ouais. Faire demi-tour. Au pire, fais le tour de l'île. Non, je vais peut-être aller sur la petite île, moi. Quelle île? Ah, là, par contre, faut aller à droite. Qui est, du coup, au sud-ouest. Bah, le mieux, ça serait quand même d'aller sur les îles où on a des quêtes. À mon avis, il y a plein de trucs à chercher aussi. Ouais, ouais. Je vais aller sur Klux machin là. Ouais, c'est ça. Oula, on va vas-y, taper, je te dépose. Plus à droite, plus à droite, plus à droite. Je vais taper, je pense. C'est bon, je reviens juste après. Allez, Géo, je vais livrer la quête. On va continuer un bateau là-bas. Tiens, copain. 1800. Ça, ça valait le coup. Ça valait le coup. Ok, sirène. Est-ce que je vois une sirène du coup? Ah, attends, il y a des trucs là. Ah, il y a encore des fruits. Quoi. Ah, il y a déjà un bateau sur notre île. Ah, celui où on veut aller? Ouais. Oh shit. Après, on a rien, nous, hein. On peut les attaquer aussi, on peut essayer. Ouais. J'arrive sur le bateau dans quelques secondes. J'ai trouvé ma petite sirène. Je me TP. Voilà, je suis là. C'est ça, tu vas attaquer un bateau? En face, là, sur l'île là-bas. Parce que nous on va sur la petite île à droite. Ah oui, il y a un bateau là. Bah ouais, on peut les attaquer si tu vois. J'ai quoi comme boulet sur moi? Boulet de paix. Boulet de grog, c'est marrant. Boulet chaîné, je pense que c'est mieux. Attends, je vais le dire. Mais du coup, on a plus de fruits. Hein? Du coup, on a plus de fruits. Si, si, on en a encore. J'en ai eu 3 moi là. Mais attends, mais t'es parti où? T'es pas du tout allé sur Holo, t'es sur Curly Cay. Ah, c'est là où je voulais aller. Ah bon? Et c'est où? Okay. C'est plus au nord. Non non, c'est plus, ouais. Plus loin. Il faut vraiment non, ouais, faut remonter vers l'ouest-ouest en fait. Ouest-nord. Monte encore à droite, encore. C'est une toute petite île. Hein. Ah ouais, ça c'est où j'ai trouvé. Encore. Ouais, c'est là, c'est plus droit. Ouais. Je crois. Ouais, c'est ça. Mais y a pas de bateau sur cette île là. Ouais, c'est cool. C'est à droite là du coup. À droite. Tout. Et
Voilà. Ah, là-bas, il y a un bateau sur, Croc Solo où on devait aller. Croc Solo, c'est beaucoup plus haut, normalement. On la voit, je crois, là-bas. Pas sûr. Bon, on est presque arrivé. Ah, non, pas besoin de. T'inquiète. Ok. Oh, il y a une musique épique. Ah oui, il y a plein de pirates. On met la lumière, tu sais. Ah oui, c'est eux. Ouais, mais ils ont pas l'air brillants. Il fait encore jour, quoi. Et ils sont pas en mode transparent. Ah, je vois plus. Oh merde, il m'a tapé. Fort. Hey, y'en a qui se bat. Y'en a qui est mort. Il est mort, lui. Le capitaine. Alors attends. J'ai le crâne, mais j'ai pas. Normalement, si, il a une quête forcément avec lui. Je crois qu'il y a une épave là-bas. Oula. C'était quoi ça? Ah bah, je suis mort. Jérémy. De quoi? Ouais, désolé, j'avais juste plus de son dans la spot. Il est mort du coup. J'arrive dans quelques secondes. Allez, ouvrez-moi les portes. Les portes, les portes, les portes. Ouais. De rupture. Il a des feuilles autour, non? Ils ont des feuilles. Ouais. Vas-y, que les reculer. Recule plus dans les terres. Et deux. J'ai sauvé. Recule plus dans la terre. Je vais tourner autour des palmiers là. Ouais, je suis mort. Je reviens. Putain, il meurt pas. Ouais, ça a l'air d'être dur. Mais si, il meurt. Celui-ci, on arrive à les tuer, donc c'est qu'il est juste, il a juste plus de vie, quoi. Allez, je reviens. Pas trop de lui là-bas. Voilà.
capable, comme ça elle les entend plus. Bon bah écoute, c'est bon. J'ai fait le tour de l'île, j'ai pas trouvé d'autres squelettes ou d'autres machins. Quand les tonneaux, enfin les tonneaux, parce que moi j'ai plus de fruits, j'ai plus de vie. Ouais bah vas-y, alors reprendre, moi je suis plein du coup. Je suis full. Allez, let's go. Du coup, on va vers... Oui, dis-moi. Ah, en trop. Vers le nord. Ouais. À go. Nord, nord. Combien? À go, go. Ouais. Voilà. Il était mal garé le bateau. Dès que tu es reparti, ça rappe de ouf. Ça rame. Ça rappe. Je touche quoi. Ah ouais. Ah, juste... Ouais. Je suis en train de réparer le bateau du coup. On a une voie d'eau. Tu vois, Scorpio, ouais, il dit là, général, les totems en vrai, c'est vraiment pas de la déco, il faut les faire quoi quand vous envoyez. Hein. Ouais. Y'a un bateau devant. Ah, ils sont encore là-dessus ? Bon, on a pas grand-chose. Hein. Juste un trésor. Mais du coup, va à droite, c'est plutôt pour qu'ils nous voient. Ah, je croyais qu'on les attaquait. Oui, mais du coup, on va les attaquer genre tranquille, tu vois. Ah, moi j'aurais attaqué, j'aurais pris ce qu'il y avait dans le bateau et je me serais cassé. Ah ouais, on peut. Ah, vas-y, alors, vas-y. Ah, mais du coup, attends. J'ai pas de vie, j'ai pas de. En vrai, on est... Merde, j'ai sauté. Je vais leur sneaky dans leur truc. Juste toi, mets-toi à côté sans baisser l'ancre. Tu vois? Ouais. Je te dis ce qu'ils ont. Et Ok. Ils ont tout laissé sur le quai. Je les vois, ils repartent. Ils nous ont pas vus. Hein. Il y a tout sur le quai. Ouais, je vois aussi. Mais si, il y a des mecs là. Sur le bateau? Non, à quai. Bah, va dans le bateau de Discretos, tu vois. C'est en cours. Là il y a une clé. Une clé squelette. Ouais, il y a rien. Ah si, il y a un coffre. C'est bon, j'ai pris un coffre. Ah merde, il m'a vu. Je suis mort. Ok, bon moi je vais tranquille vers le bateau. Du coup. Hein? File, hein. Il m'a vu, je suis bon en direct. C'était plus où le bateau? Ah si, juste là. Ouais, j'ai direct rebaissé les voiles et on est reparti. Bon, j'ai un coffre, c'est déjà bien. Ah, il était si loin que ça le bateau? Je n'avance pas. Ah, il est là le bateau. Mais t'es pas encore parti? Bah non, je suis en train d'aller dans le bateau.
Il était pas à côté le bateau. Bah du coup il lui tire dessus. Hein. Ouais mais j'ai un coffre, alors vite, attends, je suis là dans 3 secondes, dans quelques secondes. Non mais ne pars pas. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah il est en train de tirer sur le bateau. On s'en fout. J'ai une caisse, comment je vais la ramener? C'est ça? Oh, ça touche ça. Ah non, oui, tu mais vois le devant. Au pire il fait un petit trou, mais maintenant du coup ça va mettre 10 minutes à ce que je revienne. Il sert à rien. Attends, là ça touche pas. Ouais bah il fait ça. Moi je mets 3 plombes à revenir. Il met 3 plombes à nager. Je viens de passer 5 minutes pour essayer de revenir et toi tu ne pars. Allez petit pirate, nage. Tu me dis quand tu touches l'échelle? Ah pas encore, attends. Tu as pris quoi comme coffre? Coffre de merde? Un coffre d'aventurier. Oh. Ah y'a que ça. C'est bien, j'ai un coffre, c'est bien ça. Ouais, il me poursuit. Vas-y, tu peux y aller. C'est bon? Oui. Ah ouais, il est pas trop moche hein, le coffre d'aventurier que j'ai. Bon, on verra. En vrai. Ok, je vais le mettre dessus. Sur la gauche. T'as vu? Ouais. J'ai des boulets, ouais. Ouais, par contre, c'est plus dur que là-dessus. Allez, va sur l'autre, ouais. Non, mais il nous suit pas, en fait, hein. C'est nous qui le pourchassons, là. Ah, il y a des trucs à gauche. À gauche? C'est juste là. Ah, non, c'est pas réussi. Tu l'as tué? Il est dur. Je peux toujours pas. C'est si simple. Moi je peux pas. Il tourne trop. Va vers la droite. Aligne pour que je puisse aligner mon canon. Ouais là c'est voilà, je pense sur lui. Je vais toucher. Ah, ouais, tu vas dire plus à droite et le foncer sur l'île du coup. Ah là là, si il y a la barre, voilà. Ça non, mais moi ça passait, hein. C'est toi qui galérais. Ouais, eux ils sont parfaitement allumés, y'a pas de lui, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah, ça y est. Ah merde, ça. Ça touche ça. Oh. Ah putain, Jake. Attends, il était de quel côté déjà? Ah, il a son bouton, il est là, ouais. Attends, je vais voir un truc. Est-ce qu'il a récupéré tous ses trésors? Ouais, il a tout récupéré. Chier. Ah fais gaffe, tu touches ah, hein. Bah ouais, du coup ouais. Oh non. Non, il a pas tout récupéré, je vois un truc qui brille. Bah vas-y hein, je fais le tour de l'île, je te récupère après. Ok. Mais il a pas tout récupéré du tout, il reste plein de trucs. Il reste au moins 3 trucs différents. Il est tout seul? Je pense. Ah, il y a plein de coffres. Essaye de tout planquer dans des herbes, tu vois. Tu prends tout, tu planques tout dans des herbes, que ça soit pas visible. Qu'il faut juste pouvoir cliquer dessus, tu vois. Ah ouais. Bah, il vient vers moi par contre. Ouais. Il arrive vers moi. Attends, je me casse. J'ai pris un coffre et dedans il y a 3 trucs. J'ai mis 3 trucs dedans. Ah, y'a une chaloupe. Merde, elle est hackée. Ah si, je peux la mettre en mer. Trop bien. Faut que tu pousses, ouais. Comment je pilote, attends. Voilà. T'es où, toi?
Je reviens sur l'île. Il me suit avec le gros bateau. Moi je suis une petite chaloupe. Non, en vrai je crois qu'il va récupérer ses autres trucs. Mais t'es où? Comment? T'es où? Ben, je reviens là. Je me mets sur le côté de la plage. Je reviens où? Ah mais de... Attends. Mais t'as fait le tour de l'île ou pas? Non non, pas du tout. Ah mais moi tu m'as dit je fais le tour de l'île, moi du coup je t'attends de l'autre côté. Ouais je pensais en fait mais le temps de... Bon, ok bon écoute, je laisse, un truc dans la chaloupe et je vais aller voir sur terre. Tu peux récupérer la chaloupe. Globalement du coup elle est à l'opposé de toi. L'autre côté de l'île en fait. Ça par contre j'ai pas de fruits, c'est chiant. Ouais il descend de son bateau. Il vient récupérer des trucs. Il est là. Il est tout seul? Ouais. Il est dans l'eau. Touché. Merde, il m'a touché aussi. Il est où? Je sais pas. Ah, il est là. Fais le tour. Derrière. Ah merde, il a un truc incendiaire. Comment tu l'as tué? Je l'ai tué. Moi, je suis un peu en feu. Putain, il a un coffre squelette, what the fuck. Je mets tout dans, dans l'eau. Ouais, il est où le bateau? Je vais le chercher. Il va réapparaître bientôt. Après, il faudrait péter son bateau. On a rien d'incendiaire? Non. Fais gaffe. Stop, stop, stop. Parfait. Je me casse avec une caisse. Ça va l'occuper un moment normalement. Ah mais il y a un trou d'eau dans le bateau. Ah ouais. Ok, ok, ok. Et la cale, elle est pleine d'eau, bah oui, forcément. Mais... Ça a l'air d'aller à partir. J'ai caché le coffre. Attends, il doit y avoir encore un trou d'eau quelque part. Ah oh, putain, j'ai loupé, je suis deg. Non. Ok, parfait. On n'a plus d'eau dans le bateau, je vais le reprendre, on va se barrer. Allez, hop. Ah merde! Pourquoi? J'ai fait le con. J'ai fait l'encre. J'ai vu qu'elle était pas jetée, ok. On prend légèrement à gauche. Elle m'a touché. J'avance, je suis vers toi là. Il est où? Ah il est sur son bateau lui? Ouais. C'est nécessaire pour la déverrouiller putain. Tu lui tires dessus là? Ouais. On retourne. Bon son bateau est en mauvaise posture quand même. Ah, je l'ai tombé. Je l'ai éjecté, j'ai pas fait gaffe. Je me suis gouré. De quoi? Je me suis gouré, je mets. J'ai fait de la merde. Ouais, grave. Oh putain, il est fort la vache, il m'a mis tellement cher.
T'es tout seul, hein. Ah ouais. Il va tirer. Il a tiré, il vous a tiré. Les deux clés sont du coup dans l'eau, dont la clé pour ouvrir le coffre squelette. Le coffre squelette est sur l'île. Ah merde. J'ouvre les voiles, hein, je me casse de là. Ah merde, j'ai tapé. Non. J'ai plus de bois. Allez. Ah si, il y a plein de bois là, parfait. Réparer, ok. Allez, réparer, allez. Mais du coup, pourquoi tu pars? Je suis en train de partir pour pas être sous les feux de l'ennemi, genre. Je suis avec. Ah, on y retourne. Je suis en train de tranquillement réparer toute la coque. Parce que là, on était en train de couler. De toute façon, ils peuvent partir sans maille à les péter. Ouais, après, il peut le réparer, non? Ouais, mais apparemment, il n'y arrive pas. Je reviens. Voilà, un peu très fin. Oh merde. Ah mais t'es là du coup? Ah ouais. Ça fait demi-tour quoi. Oh merde, le Kraken. Ah tu peux essayer de faire un Kraken s'il te plaît. Oh non. Ah voilà, c'est ça le Kraken du coup. Et du coup on peut pas se barrer? Bah il faudrait mais je sais pas comment faire. On n'a pas réussi là. Ah il m'a pris. Ah il a réparé son bâle là-bas. Il m'a pris, il faut que tu lui tires dessus. On avait trop de trésors du coup. Trop de trésors, tu rigoles, ça n'a rien. Non, non, mais c'est ça en fait. Le Kraken il vient quand il y a trop d'argent. Donc c'est que l'un des coffres qu'on a ou machin, je sais pas, on sait pas, mais il doit avoir de la valeur. Genre lui il avait beaucoup plus que nous, tu vois, et. Et à quel moment on peut se barrer de ça du coup? On peut pas, je crois. Je sais pas, on a jamais pas réussi la fois qu'on l'a eu. Ah mais si, on l'a plus là. Bah ouais. Par contre, il faut que tu m'aides à vite enlever l'eau. Ouais mais attends, il faut surtout tourner, on va se prendre l'île. C'est bon, la flotte. Il nous tire dessus lui. Ah, je suis tombé. Il a envoyé un truc. Ah, pour nous faire vomir, ouais. Son coffre, il est là, ça va. Bon, je vais le revoir sur son bateau, écoute. Bon, il m'a tué. Il doit avoir un snipe. Ouais, du coup, son coffre, il pense qu'on l'a piqué alors que j'ai juste caché sur l'île, tu vois. Ouais. Ça touche ça non? Ah ouais, complètement. Ça touche aussi ça. Putain. En fait, tu es en train de défoncer le bateau là. Ah, bon bah ça, ça touche. Ah bon, c'est quoi? Ah c'est lui qui tire? Oui. Ah. La 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 la. Que tu et pourquoi on est à l'arrêt?
Bah parce que il faut réparer. Trop tard. Je te dis pourquoi tu dis trop tard. Non, c'est bon. Bah oui. J'ai mis 5 sauts et c'était réglé. Il y a des arrivées d'eau encore, ouais. En fait, il faudrait juste aller récupérer la clé. Une fois qu'on a récupéré la clé squelette, c'est tout bon, tu vois. Parce que le coffre... Après, je suis pas sûr qu'on ait besoin de la clé, hein. On s'en fout, on doit la vendre, hein. On doit vendre le coffre. Ah ouais ? Mais oui, on doit vendre le coffre, nous. On peut le vendre au mec de trésor. Après, par contre, sur la petite chaloupe, j'avais laissé un truc et il faudrait qu'on aille le récupérer. Tu as mis où la chaloupe ? De l'autre côté du bateau. Moi, je vais aller la récupérer. Prépare le bateau. Ouais. J'ai récupéré le... Non, mais en vrai, je vais y aller tranquillement. Je vais descendre légèrement la voile. Ah merde, la voile était déjà descendue, en fait. Et le bateau tourne. Mais non. Ah non. Non, non, mais juste cache le bateau, hein. Ouais, mais... Le truc, c'est que dès que je relève du coup le truc, on avance. Voilà, c'est bon. Je cherche juste ma petite chaloupe. Je suis en train de récupérer le coffre là. Ok. Moi je fais le tour tranquillement de l'île et en fait juste de l'autre côté j'ai ma petite chaloupe. Moi ouais, je suis en train de revenir vers toi là avec le coffre squelette. Bah oui, non mais oui, attends. Non, je suis à l'arrêt, je suis au plus près de l'île normalement. Par contre il n'y a pas la clé avec, tu vois, et je me demande si c'est pas comme un coffre au trésor. Non, je pense pas. Parce que j'en avais déjà eu des coffres cendrés, tout ça on les vend sans la clé. Hein. Et quand on a eu la clé, on a même pas réussi à ouvrir le coffre, alors. Ok, bah go alors. Mais le Kraken est là. La chaloupe et on y va. Après, est-ce qu'on va pas sinon récupérer la chaloupe direct? Reste là, je reviens. Ouais. T'as plus safe, je pense. Elle est pas loin, je pense, en plus, la chaloupe. Et en fait, j'ai volé 3 reliques à lui dedans. Ok. Ouais, elle est là, ma petite chaloupe, je la vois. Kraken, il part seulement, quoi. Et du coup, le truc squelette, je le mets tout en haut. Ok. Tu cherches un avant-poste, tiens, juste la direction, comme ça, on met toi direct dans la direction de l'avant-poste et on part. Elle est là, ma chaloupe. Allez, faut que je... Ouais, c'est bon. Elle est tout droit. Très au nord, c'est pas le plus proche, mais bon. C'est bon, t'es là ? Parfait. Non, attends, je suis juste à ma chaloupe, je suis même pas encore arrivé. En tout cas, la nage, c'est long, hein. Ouais, elle est là, ma chaloupe. J'ai une musique chelou qui se déclenche. Voilà. Je suis dans ma chaloupe, rame. Ah, il part lui, merde. Bah, j'avance un petit peu là. Ouais, vas-y, avance. Pas dans quel sens d'ailleurs? Je viens vers toi. Attends, je sais pas. Merde, il me voit, je crois. Ouais. Attends. Il vient vers moi en fait. Ah merde, c'est toi que j'ai récupéré. Mais t'es sérieux? Non mais... Oh non. Oh non.
Ah putain, ah non, t'as venu sur lui du coup. Putain, ah, mais genre. Mais c'est la faute, t'as pas de chance en rien. Mais pourquoi t'es venu sur nous? T'es venu sur lui. Mais tu m'as dit, il part. Bah oui, mais il part vers nous. Ah, je t'ai demandé vers où, tu m'as parlé. Bon, je pars avec ma chaloupe. Hein. Ok. Oh non. Encore le Kraken. Ah bon? C'est pour nous encore? Je sais pas. Ah, c'est pas possible. Ah non, c'est le bateau pirate qui lui fonce dessus. Tu me vois ou pas? Ouais. Toi? Tu peux venir me récup? Moi je vois pas où t'es. Bah, je fais demi-tour en tout cas là. Ah non, non, bouge pas, arrête-toi. C'est toi là normalement, ouais c'est ça. Ouais. Je suis presque sur toi. Arrête-toi. Non. Ouais, c'est que lui il est là. Hein. Ouais, non, mais je suis en train de m'arrêter là. Une seconde. Et lui il me tire dessus en fait. Je suis à la mer avec le coffre. Allez, vite. Je tiens. Ah bah j'arrive. C'est bon, t'es sur... Oh. Non, je suis pas là, j'arrive dans... Okay. Ah, il a foncé dans l'île. Lol. Parfait, je te le dis quand j'arrive en fait. Allez, petit pirate, allez. Mais il avance pas, mon pirate. Putain, on se fait tirer par l'autre là-bas. C'est bon presse, dès que t'es sur l'échelle, hein. Presse. Oui, mais je suis pas sur l'échelle. Voilà, c'est bon. Allez, go. Y'a des trucs devant, y'a un rubis. Quoi? Y'a un rubis devant. T'es sûr que c'est un rubis? Ouais, y'a deux rubis. Y'a un rubis et un diamant. J'en prends un, j'arrive. Ah. Vas-y, avance. Ah, comment veux-tu avancer? Genre, j'ai mis la. Ah, mais t'as acheté l'autre? Bah ouais. Ah, il fallait pas? Oh merde. Vas-y, démarre. J'arrive, je suis dans une seconde. On est en route ou pas? Oh ouais. Ouais, c'est bon. Tu veux gérer là-bas, hein? Ouais, c'est bon. Attends, ça, j'essaye de mettre les voiles un peu mieux pour qu'on essaye d'avoir du vent. Ah merde, le vent est contre nous. Il nous suit, mais il a pas de voile, donc je pense qu'il arrive pas à nous suivre. C'est bon en bas ou pas? T'as besoin d'aide? Il y a un autre bateau là-bas qui lui arrive dessus. Ah non, c'est encore un bateau pirate ça. Ça m'a l'air bon, hein. Avant-poste, ouais. Peut-être pas celui-ci, quoi. Non? Ouais, il y en a un plus loin? Ben... On va faire le tour de l'île, là, en face. Mais on va aller à Plumber. Et on va aller à Plumber, ouais. Sud-est. Sud, ouais, c'est ça, sud-est. Plumber. Sud-est, go. Sud-est ou sud-ouest? Sud-ouest, excuse-moi. Plus ouest que sud-ouest d'ailleurs. Attends, fais gaffe, il y a une île. Je préfère qu'on fasse le tour de l'île là. Ok. Comme si. Bon, on est bien parti. Quand la gestion de la voile est horrible là. Pourquoi? Alors on était pas du tout sur le. Il n'y avait pas de vent tout à l'heure. Le vent était contre nous en fait, juste avant. Chaud. Mais genre dans ouais. La parc là le soleil t'as pas fond, c'est horrible. L'été je pense qu'on va mourir en fait ici. Ah mais vous avez pas encore passé un été complet là? Non, on a fait le premier hiver là. Ok.
À la, à ouest, t'as quasiment à fond, hein. Légèrement sud. Ah non, mais. Ah, mais vu qu'il y avait le rocher, tu vois, je voulais passer derrière le rocher au cas où si lui il arrivait. Ouais, mais là, à un moment donné, c'est qu'un tour, c'est mieux. Ah, celui, tu vois, t'as par exemple là-bas, il nous voit. Il est hacké. C'est pour ça, enfin, il peut nous voir, mais bon. À un moment. Ah, le vent est contre nous. Ah non, il est derrière nous. Ah, il nous pousse. Voilà. On est bon. Waouh. Non, c'est pas mal, ça. Hein. Non, c'est bien démarré. Et il y a le coffre squelette en haut, du coup, à la vigie. Ok. Let's go! En fait, il faut aller plus à l'ouest encore. Ah, c'est là-bas. Ouais. Par contre, il est reparti, je crois. Où il va? Il va où? Je sais pas où il va, j'arrive pas à déterminer ce... où est sa... Ce... Ça... Il est pas là en face là, sérieusement. Non, ça va, c'est pas une épave. J'aurais été trop tenté. Ouais, en vrai, là, vu tout ce qu'on a ramené, parce que moi, dans le coffre là que j'ai ramené, il y a quand même pas mal de trucs. Qu'est-ce qui se passe encore? Encore le Kraken. Ah. Non, à un moment donné, il va pas nous mettre le Kraken 27 fois. Ah, il faut aller plus vers le nord, nord-ouest. Elle est là, l'île. De l'autre côté hein, pour nous cacher de lui au cas où. Ouais ouais. Enfin, du coup à gauche, ouais. De toute façon en plus le ponton il est à gauche. Bah le premier faudra que tu prennes ce truc d'os là. Il avait l'air d'y tenir. Et c'est là que ça coûte 500. T'sais. Il y a une musique qui repart. Il va être encore là. Ouais, il est derrière. Il est derrière nous? Le requin, ouais. Ah, le requin. Je suis le mec. Quoique l'autre, il est pas loin non plus, hein, en fait. Enfin, en vrai, de toute façon, on va arrêter après, là, donc... Enfin, genre... à la zop, tu vois. Il est là le ponton, je le vois. Ponton en vue. Ah non, c'est pas lui. T'es prêt pour le... Il est là-bas quand même, il nous voit quand même. Si, c'est bon, c'est prêt. Vas-y, vas-y, lâche. Parfait, allez, va chercher le coffre précieux, moi j'ai cherché en bas, j'avais lui là.
Ah ouais, on peut pas lui rendre à lui. C'est à qui? Ah ouais? Va voir dans la taverne au pire. C'est au mec... aux trois mecs de la taverne, c'est ça. Putain, y'a personne qui prend mon coffre là. Ah. Tu vois, il fallait l'ouvrir. Et dans la taverne, personne ne prend. Bah laisse-le là pour l'instant. Merde, elle est où elle? Merde, je sais plus où elle est elle. Ah si, elle doit être dessus. Là. Plus 4000, c'est quoi? C'est le rubis. Trop bien. On a bien, j'ai bien fait de sauter à l'eau pour ce rubis. 4000, ça vaut le coup. En vrai, notre bateau, c'est une ruine, quoi. Il a vécu, ouais. Du coup, y'a plus rien? Je crois pas. On va regarder sur internet coffre squelette, du coup. De stockage déjà, c'est... on peut les vendre ou pas, je sais jamais. Non, bah quand ils sont vides, enfin non, tu peux pas les vendre, je crois. Non mais là, du coup, je suis en train de les remplir à balles. Ah bah oui, mais après, il faut les ouvrir et les donner. Ah, les coffres, oui, non, tu veux dire avec tous les items que tu mets dedans, c'est ça? Ouais. Enfin, s'ils sont spécifiques, oui, sinon, non, je crois. Coffre du naufragé, coffre machin... Ah, Google, il est pourri, des fois on recherche. Tu l'as récupéré le coffre squelette? Ouais, il est là, devant moi. Ah, il faut l'ouvrir avec la clé. T'es sûr? Ah, en fait, c'est écrit dessus, clé nécessaire pour déverrouiller. Ah. Bah oui. Je pensais bah, que c'était pareil pour toi. Non, non, l'autre, on avait une clé pareille, mais en fait, c'est pas marqué clé nécessaire pour déverrouiller. Ok, bon, bah, on va s'arrêter là-dessus. Attends, je vais quand même aller voir. Je peux pas acheter des trucs. Piste de stockage. C'est quoi ça? Coffre de munitions. Moi, ce petit pillage était bien sympa. On a fait pas mal de choses. Tu en as vécu beaucoup de choses. C'est ça. Beaucoup de choses différentes. 100 000 dollars, 100 000 pièces, moi j'ai bien gagné quand même. Ah, il y a une quête là. Bon, allez. Ouais. Je vais m'asseoir au bout de ce ponton. Ah, t'es carrément déjà parti? Ouais. J'ai chaud là, j'ai envie de prendre une douche. Eh bah, bonne douche. Ouais, surtout ça sort pour du DBD. Yeah. Allez, on va se quitter là-dessus, sur une belle ciao, ciao. Ciao.